Nous avons le programme triennal des mobilisations à 20h45. Donc, je vais y aller rondement pour nous assurer que nous rentions dans les temps et que nous ne créons pas une surcharge de travail au niveau du greffe. Donc, ouverture de la séance, j'ai quelques petites nouvelles avant de débuter et d'adopter l'ordre du jour. D'abord, permettez-moi de féliciter le nouveau ou le député fédéral qui a été élu le 21 octobre. Le 22, c'est ma fête, fait que je suis mélangé un petit peu. Le 21 octobre, donc, on félicite le député du Bloc québécois, Simon Marcille, pour sa réélection. On lui souhaite un mandat actif et occupé. Ensuite, concernant le dossier Bonnybrook, donc le propriétaire du terrain Bonnybrook a sollicité la Cour suprême afin que son dossier soit entendu. Donc, il avait jusqu'au 23 octobre pour le faire. C'est chose faite. Ça ne veut toutefois pas dire que la Cour suprême va entendre le dossier. Nous avons jusqu'au 5 mars, c'est ça, hein? Un petit peu moins, 5 février. Nous avons 3 mois. À partir du 5 novembre, est-ce que c'est un 3 mois? Hein? Nous, on peut déposer le 5 décembre. Ah, d'ici 5 décembre, pardonnez-moi. Nous avons 1 mois pour déposer notre argumentaire et ensuite, la Cour suprême, normalement, prend 3 mois pour déterminer si elle entend le dossier. Donc, nous sommes encore dans des délais concernant ce dossier. Je tiens à rappeler toutefois que la Cour d'appel a renversé le jugement pour donner raison à la ville de Saint-Colomban. Ensuite, la semaine prochaine, 18 et 19 novembre, il y aura l'audience à la Commission municipale du Québec concernant le dossier de la rue La Montagne. Donc, nous avons 2 jours d'audience pour faire valoir nos points concernant une nouvelle entente intermunicipale avec la Ville de Saint-Jérôme concernant les responsabilités distribuées quant à l'entente qui nous permet de gérer le segment de Côte-Saint-Nicolas qui est situé, qui chevauche finalement les deux villes, Saint-Colomban et Saint-Jérôme. Je veux aussi vous annoncer que nous avons eu une subvention, l'offre culturelle parcours éducatif, pour joindre un programme entre la bibliothèque de Saint-Colomban et nos 2 centres de petite enfance publique à Saint-Colomban, c'est-à-dire celui qui est situé sur la côte Saint-Paul, tout près d'ici, et l'autre qui est situé à côté de l'école Lavolière. Donc, c'est un montant de 7 988. Et je tiens aussi à vous annoncer, vous allez le voir un petit peu plus loin, que nous avons débuté au cours des dernières semaines, les travaux au parc Triolet, dans le but, vous le comprendrez plus tard, d'y aménager un sentier d'hébertisme et surtout aménager un espace jeu qui va bien s'acclimater aux 3 saisons que connaît le Québec, c'est-à-dire l'hiver, l'été et l'autre saison. En suivi maintenant, avant d'aller en suivi, nous allons aller en 1.2, adoption de l'ordre du jour. Donc, vous avez pris connaissance, chers collègues, de l'ordre du jour. Donc, est-ce que quelqu'un le propose, s'il vous plaît? Christian Wilson, je propose. Denis Beauséjour, je t'appuie. Merci beaucoup. En suivi, donc, c'est une période qui est consacrée aux questions qui auraient été mal répondu, pas répondu au cours de la dernière assemblée d'octobre. Donc, concernant le dossier asphaltage, on avait eu une question de M. Bélanger concernant l'asphaltage de la portion Saint-Nicolas qui, je vous dirais, est située après la rue Laurent jusqu'à Saint-Jérôme. Donc, on a décidé de prendre notre temps avant de poser des actions simplement parce que nous sommes aussi liés à une entente intermunicipale avec la ville de Mirabel. Donc, quand nous faisons des travaux sur le segment qui chevauche ou qui touche finalement aux frontières de la ville de Mirabel, comme je l'ai dit plus tôt, on est lié avec une entente intermunicipale et il y a des dépenses qui peuvent être partagées. Donc, avant de se précipiter à faire des gestes, on va s'assurer de bien faire les choses afin, si possible, de partager la facture avec notre ville voisine. Donc, c'est une petite mise à jour. 2.1.2.
Période d'intervention réservée aux élus, donc c'est un moment qui est réservé à chaque élu du conseil municipal. Exceptionnellement, aujourd'hui, je vais débuter, car j'ai eu l'immense honneur aujourd'hui, lendemain du jour du souvenir, de souligner les 42 ans de carrière militaire d'un citoyen de Saint-Colombant que je connais depuis plusieurs années, M. Jocelyn Labelle, donc qui a reçu la médaille de l'Assemblée nationale du Québec hier au cimetière Côte-des-Neiges lors d'une cérémonie justement dans le cadre du jour du souvenir. Un petit fait saillant, M. Labelle a servi en ex-Yougoslavie, en Tchécoslovaquie lors de la guerre froide, en France, en Tunisie, à Chypre, et il a aussi été mobilisé lors des tremblements de terre de 2010, pardonnez-moi, en Haïti. Donc, il a passé les dernières années de sa carrière militaire comme enquêteur au niveau de la police militaire. C'est un citoyen qui est très engagé dans sa communauté. Il a notamment construit ou aidé à regrouper des vétérans dans la région. Donc, il est rattaché maintenant aux cadets de la chute. Il accompagne aussi les groupes vétérans, notamment de Saint-Jérôme. Donc, un immense bravo et un immense merci pour le service rendu, M. Labelle. Et c'est un, comme je l'ai dit plus tôt, ça a été un très, très grand honneur de pouvoir partager un moment avec lui pour souligner la transmission de la médaille de l'Assemblée nationale du Québec. Donc, maintenant, prise de parole, Mme Christiane Wilson, District 2. Je voulais simplement remercier la Maison des jeunes et tous les bénévoles pour le beau sentier hanté que nous avons eu au mois d'octobre pour l'Halloween. Donc, merci à tous les citoyens aussi pour la très belle participation. Ça m'a fait plaisir de rencontrer certains d'entre vous et on se revoit, j'espère, l'an prochain. Merci beaucoup. Madame Isabelle Lapointe du District 3 qui va vous parler, j'imagine, d'un événement populaire cet hiver. Bonsoir. Alors, deux petites choses pour moi. Première chose, je veux juste mentionner pour ceux qui ne l'ont pas vu ou ceux, bien sûr, ceux à la maison qui ne le voient pas, je suis accompagnée ce soir pour la huitième fois. En fait, je vais vous présenter mon nouvel ami qui s'appelle Réal. Alors, c'est un petit chiot que je socialise pour la Fondation Mira. Donc, le petit chiot doit me suivre partout pour la prochaine année. Alors, je demanderai votre clémence si vous entendez japper ou grogner. Ça ne devrait pas. Elle devrait être tranquille. Elle a en masse de jouets sous la table. Mais si je devais me lever rapidement pour la sortir dehors pour ses besoins, je m'en excuse à l'avance. Et puis, pour ce qui est du point d'élu, ça serait pour vous mentionner la parade de Noël qui s'en vient bientôt. C'est pas ce mois-ci, c'est le mois prochain, mais quand même, je voulais en parler le plus possible. Alors, pour ce qui est des bénévoles, ça va, on est complet. C'est agréable de dire qu'on n'a pas besoin de plus de bénévoles. La parade, cette année, se tiendra le 14 décembre, un samedi. La différence d'avec l'année passée, on l'a fait un peu plus tôt. Donc, notez le changement d'heure qui est à 15 heures. 3 heures l'après-midi au lieu de 4 heures pour éviter la noirceur. Parce que l'année passée, on a eu le club équestre, entre autres, qui avait décoré leurs chevaux et tout ça. Donc là, cette année, de le faire de clarté, ça va permettre aux gens qui regardent la parade de bien apprécier les efforts des gens qui décorent soit leur char allégorique ou leurs animaux. Et puis, le tracé aussi a changé quelque peu. En fait, c'est le même tracé. Alors, dans votre édition du Colombanois que vous avez reçu en début de semaine ou la fin de la semaine passée, vous verrez le tracé est bien noté. On part du garage municipal et plutôt que d'aller vers la rue Félan puis revenir par la montée de l'église, cette année, on va descendre la montée de l'église. Donc, on fait la même boucle, mais en sens inverse, pour le but étant de libérer la montée de l'église le plus rapidement possible à la circulation. Et le Père Noël sera sur place après la parade jusqu'à 19 heures pour recevoir les enfants qui auront écrit des lettres. Alors, les enfants pourront venir rencontrer le Père Noël après la parade. On invite les parents à rester après la parade pour faire le tour du salon du cadeau puis du marché de Noël. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup, Mme Lapointe. Mme Sandra Mercier, du District 4. Oui, bonsoir tout le monde.
Donc, il y a une très belle exposition qui est présentement en cours à la bibliothèque de M. Claude Pilote, du 30 octobre jusqu'au 28 novembre. Donc, M. Pilote crée à partir de son imaginaire des bêtes extravagantes aux allures mythiques et farfelues, imprégnées de mystères. Il utilise le bois, la pierre, le ciment. Donc, une belle exposition quand vous passez à la bibliothèque, vous arrêtez. Ensuite, il y a un vernissage aussi qui va avoir lieu le 8 décembre prochain. L'exposition « Passion patrimoine » du regroupement d'artistes en arts visuels de Saint-Colomban. C'est les artistes qui se réunissent les vendredis. Puis, il y avait le thème portant sur le patrimoine colombanois. Donc, à partir de photos de lieux et de sites provenant des sources de M. Claude Bourguignon. Donc, pour le vernissage, le 8 décembre, ça va être vraiment un bel événement à venir découvrir, toujours à la bibliothèque. Ensuite, la neige est arrivée vite en novembre. Fait que là, si vous voulez faire fondre un peu de neige, ce samedi, il y a la Fiesta Cubana. Donc, c'est au Centre récréatif que ça se passe. C'est vraiment ouvert à tous à partir de 18 ans et plus. C'est l'âge d'or qui l'organise. Mais vraiment, il va y avoir l'animation sur place, aussi spectacle, troupe de danse. Puis il y a aussi ceux qui ne sont pas habitués avec les pas de danse, bien, il va y avoir vraiment un petit cours de base au début pour vraiment vous familiariser avec tout ça. Donc, c'est pas cher. Ceux qui veulent venir pour la danse seulement, c'est 10 $ ou sinon, souper et danse, c'est 20 $ ou 25 $ pour les non-membres. Donc, c'est samedi à 18 h jusqu'à 23 h. Et ensuite, la soirée de trad va refaire surface cette année pour une deuxième édition. On est bien, bien contents. Ensuite, c'est ça. Ça va être le samedi 23 novembre à 19 h au centre récréatif. Il va y avoir, premièrement, un conte à 19 h, la légende de Rose la Tulipe. Ensuite, à 19h30, il y a le caleur de 7 carrés, Michel Payet, qui va être là, avec le groupe Les Danseux, qui vont faire des démonstrations. Puis encore là, il va y avoir le cours 101 pour vous montrer un petit peu les pas de base. Puis vous allez voir, c'est vraiment facile. Puis c'est vraiment une danse qui est très rassembleuse. Souvent, ça nous permet de rencontrer notre voisin qu'on n'a jamais rencontré. Là. On rencontre des gens vraiment, vraiment le fun. Puis, il va y avoir aussi une flécheuse qui va être là, une tisseuse de ceinture fléchée pour vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne, cet art-là, qui est québécois, notre culture. Et là, c'est le temps de sortir vos chemises à carreaux, vos chapeaux de castor, puis on va s'amuser. C'est plaisir garanti. Merci. Merci beaucoup, Madame Mercier. Madame Danielle Dorèche du district 5. Merci, Monsieur le maire. En fait, moi, je veux juste vous rappeler que c'est la guignolée, les deux dernières samedis du mois de novembre. Il va y avoir le porte-à-porte et la guignolée qui est organisée par le Centre d'entraide de Saint-Colomban. On cherche aussi des bénévoles, si jamais vous êtes disponibles, on apprécierait beaucoup. Dans le fond, c'est le courriel le Centre d'entraide saint-colomban@yahoo.ca. Fait que, au plaisir de vous y voir. Merci. Si jamais vous voulez avoir le courriel écrit, c'est toujours possible de consulter le Colombanois sur le site web. Monsieur Beauséjour, vous désirez? Oui, courte parole, dans le fond, c'est concernant l'éco-centre. Juste pour dire aux citoyens que vous pouvez toujours y accéder durant l'hiver à un horaire différent de durant l'été. C'est à chaque deuxième et quatrième samedi de chaque mois. Vous avez l'horaire, c'est derrière le Colombanois, ça se fait de 10h à 16h. Profitez-en, amenez vos déchets domestiques dangereux, vos styromousses qu'on peut toujours recycler et tout le reste qui va à l'éco-centre aussi également. C'est un nouveau service, c'est la première année qu'on ouvre l'hiver, donc c'est une très belle mention de votre part, monsieur. Merci beaucoup. 2.1.3, période d'intervention du public relativement au sujet à l'ordre du jour. Donc, on soumet depuis notre entrée en poste une période de questions avant que le conseil municipal ait à voter. Donc, si jamais vous avez des représentations à faire avant la tenue de vote qui concerne un des points à l'ordre du jour, c'est le temps de le faire. Sinon, il y a toujours une période de questions à la fin qui concerne tout autre sujet d'intérêt public. Est-ce que quelqu'un désire poser une question? Ça va? 2.1.4, convocation à la séance extraordinaire relative à l'adoption du budget 2020.
Donc, il sera proposé de tenir la séance extraordinaire relative à l'adoption du budget 2020 le 10 décembre prochain 2019 à compter de 20h45. En proposition, s'il vous plaît. Daniel Beauséjour, je propose. Isabelle Lapointe, je l'appuie. Merci beaucoup. 2.1.5, avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 1005-2020 portant sur la gestion contractuelle, abrogeant et remplaçant le règlement 1005-2019 tel qu'amendé. Ça prend quelqu'un qui donne l'avis de motion, s'il vous plaît. Daniel Derage, je la donne. Merci beaucoup. Monsieur Laurent Taillefer, la voix féminine a prédominé la voix masculine. Oui, c'est bien noté. Faites la même analyse que moi. Excellent. Donc, je vous cède la parole, M. Laurent Taillefer, pour faire la présentation du règlement. C'est un mandat que nous avons donné à notre greffier. Principalement, les principaux changements de la gestion du règlement de gestion contractuelle concernent la section 4 et la section 5. Le principe qui nous amène à amener ces changements-là repose sur une plus grande flexibilité des directeurs à aller chercher des prix et faire des achats selon des types de produits qui nous permettraient d'avoir des meilleurs prix. Donc, je vais laisser M. Laurent Taillefer faire la présentation et l'adoption sera faite le mois prochain. Le règlement va être disponible sur le site Web à partir de demain. Oui, donc depuis 2 ans, les municipalités au Québec peuvent se doter d'un règlement de gestion contractuelle pour établir des seuils de passation de contrat. Donc, habituellement, avant, entre 25 000 et 101 100 $ il fallait faire un appel d'offres sur invitation. Donc, on invitait 3 personnes à soumissionner avec des documents qui étaient plutôt volumineux. Il y avait beaucoup de conditions. Donc, le gouvernement a permis aux municipalités de dire, bien, en bas de 101 100 $ maintenant, si vous le décidez, vous pouvez choisir un autre mode de sollicitation que l'appel d'offres. Vous pouvez faire du gré à gré, vous pouvez faire des demandes de prix, des enchères inversées. Donc, une multitude de modes de sollicitation qui nous est offert maintenant. Donc, la proposition qui est sur la table, c'est de dire qu'en approvisionnement, donc tous les contrats de l'approvisionnement de la ville qui se situent entre 25 000 et 101 100 $ pourront être désormais conclus après soit une demande de prix ou une enchère inversée. Et si on rencontre certaines conditions, on pourrait même faire du gré à gré. Le Conseil a aussi établi que pour des contrats au niveau de l'aménagement de parcs et d'espaces verts, les contrats entre 25 000 $ et 101 100 $ pourront également être conclus selon d'autres modes que les appels d'offres. Et également pour les contrats de construction, de réfection, de pavage, de courte section, également nous pourrons utiliser d'autres modes de sollicitation que l'appel d'offres entre 25 000 et 101 100 $ Donc, si on résume, contrat d'approvisionnement, contrat de pavage et contrat pour l'aménagement d'espaces verts et de parcs, et également contrat informatique. Donc, c'est les contrats qu'on va pouvoir octroyer sous un autre mode que l'appel d'offres quand la dépense est entre 25 000 et 101 100 $ Merci beaucoup. À titre d'exemple, des contrats d'approvisionnement, c'est par exemple l'achat de véhicules. Normalement, quand on va en appel d'offres, les vendeurs qui travaillent dans les concessionnaires ont à remplir des documents assez volumineux de plusieurs pages, alors que n'importe quel citoyen peut aller négocier directement avec un vendeur dans le concessionnaire. Ça nous empêchait finalement d'avoir accès à des véhicules à prix beaucoup plus intéressant parce qu'il y a une relation finalement d'acheteur-vendeur qui est plus directe. Donc, ça, la ville en payait le prix. Donc, c'était une des motivations de changer le mode d'octroi de contrat au niveau du contrat des approvisionnements. Dans l'explication que M. Laurent Taillefer a faite, il y a aussi plusieurs exemples qui peuvent accompagner les 3 types de modifications qu'on a fait. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter moi-même ou un ou une des élus qui m'entourent. On répondra à vos questions. Il faut toutefois préciser que ce principe-là a été fait par souci d'économie en termes de contrat. C'est pour donner une plus grande marge de manœuvre au conseil municipal afin d'aller chercher des meilleurs prix. C'était vraiment le principe qui guidait les modifications du règlement de gestion contractuelle. Merci beaucoup, M. Laurent Taillefer. 2.1.6, avis de motion, dépôt de projet de règlement numéro 1018-2020, délégation de pouvoir, suivi budgétaire et gestion de la dette,
abrogeant et remplaçant le règlement 1018-2019. Ça prend quelqu'un qui donne l'avis de motion, s'il vous plaît. Danny Beauséjour, je donne l'avis de motion. Merci beaucoup. Donc, je vais faire une présentation sommaire là, des principaux points ou des points qui ont des plus grandes conséquences sur l'administration de la ville. D'abord, il s'agit d'introduire la direction des ressources humaines dans la délégation de pouvoir. Donc, il y a quelques mois, on a embauché ou on a créé une direction, un poste de direction aux ressources humaines. Donc, on ajuste finalement ses pouvoirs en fonction des nouvelles fonctions qu'elle occupe. Donc, ça concerne toute la section 5 du règlement et principalement l'article 33. Si vous me donnez une petite seconde, je vais vous en faire la lecture. Ça ne sera pas bien long. Je l'ai. Merci Isabelle. Ça va aussi impacter au niveau des résolutions. La directrice des ressources humaines, dans ce cas-ci, va faire un dépôt d'un rapport d'effectif. Donc, la directrice des ressources humaines, ou en son absence, la directrice générale, dans ce cas-ci, devra déposer un rapport mensuel au conseil municipal contenant toutes les embauches, nominations, prolongations d'essais ou de probation, licenciements, sanctions, ententes administratives particulières, règlement de grief et les règlements de différends visés à la présente section. Donc, vous ne verrez plus les sempiternels points d'embauche de surveillants d'installation, de moniteurs de 40 jours, de postes déjà créés au sein de la convention collective. Ça va être déposé à l'intérieur d'un rapport. Ça va être inclus à l'intérieur d'un rapport. Ce rapport-là va être déposé en séance du conseil. Bien sûr, ce document-là va être public, puisqu'il est déposé en séance d'un conseil. Donc, c'est par souci vraiment d'éviter les redites de résolution là, qui concernent les embauches et pour laquelle la directrice des ressources humaines a toutes les compétences pour agir. L'article 26, maintenant, le greffier permet de signer et soumettre les calendriers de conservation des documents de la ville et la modification de ces calendriers à la Bibliothèque Archives nationales du Québec. Donc, vous avez un point ce soir d'une liste de documents que nous devons détruire parce que archivés au niveau du BANQ, c'est ça. Donc, le souci de conserver les documents est fait par le BANQ, mais à chaque fois, le greffier devait demander la permission au conseil pour valider l'authenticité de cette liste-là. Donc là, on délègue le pouvoir au greffier d'agir directement avec le BANQ. Puis pour nous, finalement, ces documents-là là, sont archivés au BANQ, donc il n'y a pas une perte de qualité d'information et de disponibilité d'information pour le public. Article 40, l'immatriculation permis et les licences. Nous déléguons finalement la compétence au directeur des travaux publics de faire les démarches lui-même et de pouvoir aller immatriculer les camions des travaux publics lui-même sans avoir besoin de résolution. C'est vraiment des points de fonctionnalité au niveau de l'administration qu'on vient modifier. Il y avait quelques petites coquilles aussi que j'ai sautées, là, mais rien qui enlevait nécessairement des pouvoirs ou des résolutions qui avaient un impact au niveau des assemblées municipales. Ça va? Ça va être adopté le mois prochain. 2.1.7, adoption de la procédure portant sur la réception et l'examen de plaintes formulées dans le cadre de l'adjudication ou de l'attribution d'un contrat. Donc, ça avait été présenté le mois dernier. Considérant que la Ville a adopté une politique portant sur la réception et l'examen des plaintes formulées dans le cadre de l'adjudication ou de l'attribution d'un contrat conformément à la loi, considérant que la Ville doit adopter une nouvelle politique afin de changer le responsable de la dite politique, il est proposé d'adopter la procédure portant sur la réception et l'examen des plaintes formulées dans le cadre de l'adjudication ou de l'attribution d'un contrat daté du 12 novembre 2019. En proposition, s'il vous plaît. Christiane Wilson, je propose. Sandra, merci, je l'appuie. Merci beaucoup. 2.1.8, autorisation d'une signature d'une entente avec l'Office municipal d'habitation de Saint-Colomban. Considérant que la Ville procède quelques fois par année à des menus travaux dans l'immeuble de l'Office municipal de Saint-Colomban situé au 319 Montée de l'Église, et ce, à leur demande. Considérant la demande de l'OMH à l'effet que la Ville déneige la partie gazonnée située à l'arrière de l'immeuble situé au 319 Montée de l'Église pour une sortie d'urgence. Considérant que la Ville désire conclure une entente avec l'OMH afin de déterminer les tarifs pour les interventions effectuées, il est proposé d'autoriser le maire ou en son absence, le maire suppléant, et le directeur général ou en son absence, le greffier,
a signé l'entente intervenue entre la Ville et l'OMH de Saint-Colomban. Donc, c'est pour permettre et mettre sur papier, finalement, une meilleure collaboration avec l'Office municipal d'habitation de Saint-Colomban, qui est situé tout juste à côté de l'Hôtel de Ville. En proposition, s'il vous plaît. Isabelle Lapointe, je le propose. Et en appui. Daniel Doré, je l'appuie. Merci beaucoup. 2.1.9. Modification de la résolution 332-11-17 relative aux nominations à titre de maire suppléant. Considérant que par la résolution 332-11-17, le conseil municipal a procédé à la nomination d'un maire suppléant ou d'une mairesse. Considérant qu'il y a lieu de modifier cette résolution afin d'y inclure Mme la conseillère Christiane Wilson, qui est parmi nous depuis mai 2019. Donc, on l'inclut dans la roulette. De modifier la résolution 332-11-17 afin de nommer les conseillers suivants à titre de maire suppléant pour les périodes suivantes. Mme Christiane Wilson, 21 mai 2020 au 20 novembre 2020. Madame Isabelle Lapointe, 21 novembre 2020 au 20 mai 2021. Et M. Étienne Urbain, 21 mai 2021 jusqu'à la fin du mandat. Si vous vous rappelez, en début de mandat, c'est-à-dire dès décembre, je crois, 2017, nous avions établi une rotation de 6 mois, donc en fonction du pourcentage de votes gagnés. C'était le moyen le plus juste d'établir les principes de rotation. Donc, on inclut Christiane, étant donné qu'elle a été élue dans une élection partielle. Elle s'ajoute ainsi comme sixième élue à la roue, et ensuite, on reparle avec Mme Lapointe. En proposition, s'il vous plaît. Isabelle Lapointe, je le propose. Étienne Urbain, je vais l'appuyer. Merci beaucoup. 2.1.10, octroi de contrat, acquisition de panneaux acoustiques. Considérant que la Ville désire faire l'acquisition de panneaux acoustiques pour la salle du conseil municipal. Considérant la recommandation du conseiller aux communications et relations avec les citoyens. Considérant la recommandation de la firme d'architectes mandatée par la Ville dans le cadre du réaménagement de l'Hôtel de Ville sur l'état du marché peu concurrentiel relativement à ce type d'acquisition, il sera proposé d'octroyer le contrat relatif à l'acquisition de panneaux acoustiques auprès de la compagnie Spica au coût de 10 857,10 $, excluant les taxes applicables, et ce, conformément à leur offre de prix datée du 22 octobre 2019, et d'imputer cette dépense aux activités de fonctionnement au code budgétaire 02-130-00-522. Donc, dans le souci de réaménagement de l'Hôtel de Ville qui devrait commencer cet hiver, nous allons avoir besoin de la salle de l'Assemblée municipale encore plus parce qu'on va être amputé de certains bureaux. Donc, je ne sais pas si vous le réalisez quand vous êtes dans la salle, mais quand il n'y a pas de chaise, c'est une salle qui est extrêmement écho. Donc, quand on fait des rencontres ici, là, c'est très, très difficile s'entendre parler. Donc, la pose de panneaux acoustiques va permettre d'amplifier l'usage de la salle puis pouvoir organiser différentes rencontres, ou plus d'une rencontre en même temps, souhaitons-nous-le, puis minimalement pouvoir installer des gens de manière temporaire pour combler notre besoin lié aux travaux faits à l'Hôtel de Ville. En proposition, s'il vous plaît. Isabelle Lapointe, je le propose. Sandra, merci, je l'appuie. Je n'ai pas spécifié, mais les travaux qui sont à faire, c'est pour l'ajout de bureaux dans la bâtisse. Donc, nous agrandissons par l'intérieur. 2.2.1, approbation et adoption du procès-verbal de la séance tenue en octobre 2019. Considérant que copie du procès-verbal a été remise à chaque membre du conseil municipal, conformément à l'article 333 de la loi sur les cités et villes, il est proposé d'approuver et adopter tel que présenté le procès-verbal séance ordinaire du 8 octobre 2019 en proposition. Christiane Wilson, je propose. Isabelle Lapointe, je l'appuie. Merci beaucoup. 2.2.2, dépôt des divulgations des intérêts pécuniaires des membres du conseil municipal. Donc, les 7 élus que vous regardez ou vers qui ou auxquels vous nous accompagnez dans la salle, pardonnez mon hésitation, ont déposé, tel que l'indique l'article 357 et les suivants de la loi sur les élections et les référendums, leur déclaration d'intérêt pécuniaire. Comme c'est la loi de le faire à chaque année. 2.2.3, adoption du calendrier des séances du Conseil municipal année 2020. Donc, nous sommes obligés de vous présenter un calendrier des séances annuelles. Il sera proposé de tenir les séances ordinaires du Conseil municipal toujours à 19 h à la salle du Conseil, le troisième mardi de janvier et le deuxième mardi pour les autres mois. C'est pour nous permettre, ou surtout permettre aux employés de pouvoir se donner le temps nécessaire à la planification de l'Assemblée et au bon déroulement et au bon accomplissement des résolutions qui sont votées au mois de janvier. Donc, la distinction, c'est
le troisième mardi de janvier. Sinon, on conserve l'habitude de le faire le deuxième mardi de chaque mois. En proposition, s'il vous plaît. Daniel Doré, je propose. Isabelle Lapointe, je l'appuie. Merci. 2.2.4, demande de destruction des copies papier dont le support principal est devenu numérique. Donc, il sera proposé de demander l'autorisation à la BANQ de procéder à la destruction des copies papier dont le support principal est devenu numérique, des documents inactifs à conservation permanente, et ce, pour tous les documents apparaissant à la liste préparée par le service du greffe et des archives. Donc, c'est exactement ce type de résolution qui va disparaître de l'ordre du jour de par la délégation de pouvoir au service du greffe. Hein? Mais là, c'est la dernière que nous devons voter. Alors, à qui l'honneur? En proposition. Dany Beauséjour, je propose. Étienne Norvège, je vais l'appuyer. Ça se garoche plus vite. Hein, quand c'est, Merci, messieurs. 2.2.5. Autorisation de signature des documents requis pour l'établissement d'une servitude sur une partie du lot 4 524 852 du Collège du Québec. C'est un lot qui est situé sur la rue des Bécassos. Donc, il y a lieu ainsi. Il sera proposé de mandater un arpenteur géomètre afin de procéder à la description technique requise de la servitude de passage sur le lot précédemment énuméré. C'est le lot 4 524 852. De mandater un notaire afin d'effectuer la préparation de l'acte notarié et de sa publication. D'autoriser le maire ou en son absence le maire suppléant, le directeur général ou en son absence le greffier a signé tous les documents requis. Et il est convenu que tous les frais inhérents à cet acte d'achat sont à la charge de la Ville. D'imputer les dépenses relatives à la présente résolution pour une somme n'excédant pas 5 000 aux activités de fonctionnement au code budgétaire 02-320-00-411. Donc, c'était une entente gré à gré que nous avions avec le propriétaire. Il s'agit, avec cette résolution-là, d'aller chercher une servitude réelle et perpétuelle qui sera transmise, peu importe le propriétaire du lot. Donc, on vient régulariser une situation. C'est un bassin de rétention des eaux qui est situé dans le secteur. On est dans le coin de la rue des Grands Pics. En proposition, s'il vous plaît. Daniel Doré, je propose. Christian Wilson, je seconde. Merci beaucoup. 2.2.6, libération du fonds de garantie en assurance bien du regroupement Laurentides-Outaouais pour la période du 1er novembre 2015 au 1er novembre 2016. Donc, je vous fais grâce des 2-3 pages de considérants qui nous permet d'autoriser l'Union des municipalités du Québec à procéder au versement du reliquat du dit fonds de garantie aux membres du regroupement Laurentides-Outaouais dans la même proportion que ceux-ci y ont contribué lors de sa constitution. Je vous informe que nous avions participé à une hauteur de 3 136 $, représentant 3,14% de la valeur totale du fonds. Donc, nous ne pouvons recevoir plus que ce montant. En proposition, s'il vous plaît. Sandra, merci. Je propose. Et en appui. Dany Beauséjour, je l'appuie. Merci. 2.3.1, dépôt du rapport des dépenses. Nous sommes au service des finances. Dépôt du rapport des dépenses et des paiements autorisés pour la période du 1er octobre au 31 octobre 2019. Donc, le directeur général fait ce dépôt. C'est des montants qui représentent un montant de 593 134,49 $ en référence au chèque numéro 25473 à 25639. Et c'est effectué en vertu du règlement 1018-2019. 2.3.2, dépôt des états comparatifs. Il est procédé au dépôt des états comparatifs suivants conformément à l'article 105.4 de la loi sur les cités et villes. Ce sont les états comparant les revenus et les dépenses de l'exercice financier courant réalisés du 1er janvier 2019 au 31 octobre 2019 et ceux de l'exercice précédent qui ont été réalisés au cours de la période correspondante. C'est l'état comparant les revenus et les dépenses dont la réalisation est prévue pour l'exercice financier courant au moment de la préparation de l'état et selon les renseignements dont dispose alors la trésorière et ceux qui ont été prévus par le budget de cet exercice. Donc, nous avons 4 postes majeurs de dépenses qui excèdent et qui représentent un déficit de dépenses seulement, évalué à 400 000 $. Ça ne tient pas compte des revenus supplémentaires. Donc, ça ne veut pas dire qu'en fin d'année, il va y avoir déficit. On anticipe un surplus, là. Mais au niveau des dépenses, ça s'explique principalement par l'augmentation des coûts d'abrasifs, étant donné qu'on a eu à en acheter beaucoup l'hiver dernier.
On a une augmentation de 100 000 $ environ des frais juridiques. On a eu à gérer le procès, la facturation des procès du Bonnybrook. Il y a eu le procès du domaine des Faucons, qui sont toutes des causes héritées, je vous dirais, en 2013-2014, donc qui sont venues à terme minimalement pour le domaine des Faucons en cours supérieure et pour le dossier Bonnybrook en cours d'appel. Donc, une modification budgétaire de 100 000 $ Et Tricentris, on a reçu une surcharge du service d'environ 80 000 $ je crois. Donc, quand ils ne rencontrent pas leur exercice financier, il y a une clause dans le contrat qui leur permet d'aller chercher leur déficit d'exploitation dans les coffres de leurs membres. Donc, nous sommes membres de Tricentris et cette portion-là représentait, si je me rappelle bien, un montant d'environ 80 000 $ Il y a aussi les différentes modifications qui nous permettent de faire un accompagnement vers la retraite de notre vénérable directeur général, M. Claude Panton. Ça nous a amené à un accompagnement à la direction. Donc, on a fallu embaucher un greffier. Donc, nous avons une personne supplémentaire pour une période de quelques mois. Donc, ça, il y a eu une augmentation aussi au niveau de la masse salariale qui, je me rappelle pas du montant, je crois que c'est 80 000 $ là, plus les différentes décisions qu'on a prises, là, dont l'embauche du directeur de service d'incendie aussi, qui est inclus là-dedans. On est allé chercher quelqu'un d'expérience, une personne qui remplit très, très bien son mandat. Donc, c'était les faits saillants du dépôt des États comparatifs. 2.3.3, nous allons, je vous informe qu'on va avoir aussi, on dépose les états financiers finaux. Ils sont en janvier, février. Je me rappelle. Oui, vérifier, c'est souvent. Ah, c'est plus que juin. Donc, c'est là qu'on. Je m'excuse, c'est là qu'on est au courant, finalement, si l'année financière 2019 a généré un surplus. Donc, selon nos chiffres, là, on envisage un surplus entre 400 et 600 000 $ 2.3.3, approbation de la liste des comptes à payer et autorisation de paiement. Il s'agit d'approuver la liste des comptes à payer au montant $1,288,867.64 en référence au chèque numéro 25640 à 25808 et d'autoriser le trésorier ou, en son absence, le trésorier adjoint à en effectuer les paiements. En proposition, s'il vous plaît. Denis Beauséjour, je propose. Daniel Doré, je l'appuie. Deux fois. 2.3.4, avis de motion et dépôt de projet du règlement d'emprunt numéro 2016 décrétant l'acquisition de deux camions incendie et autorisant un emprunt d'$1,500,000 nécessaire à cette fin. Donc, si vous faites une règle assez simple de division par deux, ça vous fait un montant estimé de $750,000. Bien sûr, on n'envisage pas cette facture-là, mais par règlement d'emprunt, par sécurité, on emprunte toujours un peu plus pour pas avoir à faire un deuxième emprunt. Donc, ça prend quelqu'un qui donne l'avis de motion, d'abord. Je vais le donner, Étienne Urbain. Merci beaucoup. Donc, nous avons des obligations en termes de schéma de couverture de risque. Quand un véhicule date de plus de 15 ans, on a une obligation de répondre finalement aux exigences du schéma. Donc, nos camions vieillissent. On a décidé de faire le changement des deux camions en même temps parce que ça nous génère une économie estimée en dessous. Pour être conservateur, là, entre 60 et 80 000 $ Les chiffres estimés sont davantage à 80, mais pour limiter les attentes, je me garde un coussin, donc c'est entre 60 et 80 000 $ Donc, le fait d'en commander deux, maintenant, on sauve ce coût-là par rapport à sauvegarde de toutes les démarches administratives. Puis, un fait qui est à noter, on avait un calcul de l'inflation des coûts de construction puis de livraison des camions d'incendie au cours des 10-12 dernières années. Puis c'est une inflation qui est, je crois, 8 %. C'est trop? C'est à toi que je... C'est toi que je regarde, Étienne, oui. Mais si on l'achète maintenant, c'est assurément, comme beaucoup de choses dans la vie, là, si on achète maintenant, bien, assurément qu'on paie moins cher que si on l'achète dans 3 ans. Puis il y a une courbe qui est assez stable là, dans la croissance. Il nous permet de dire qu'en achetant maintenant les deux camions, ça ne sert à rien d'attendre 2 ans puis d'en racheter un autre parce qu'on va déjà le payer plus cher. Donc, il ne faut pas oublier aussi que la construction, c'est 2 ans pour les camions. Oui, exactement. Si on fait la démarche maintenant, on n'a pas les camions avant 2 ans parce que c'est quasiment construit à la pièce.
D'ailleurs, c'est construit la pièce. D'ailleurs, quand on a embauché notre nouveau directeur d'incendie, il avait l'expérience nécessaire pour construire les devis ou pour signifier les besoins du service d'incendie. Ça nous a permis de nous libérer d'un contrat que nous avions avec un consultant. Donc, on a fait une économie là. Mais en même temps, on se donne une autonomie de conception qui est assez intéressante. 2.3.5, autorisation de procéder à la radiation de taxes municipales. Il est proposé d'autoriser la radiation de taxes municipales pour les propriétés numérées ci-dessous, appartenant ou ayant appartenu à la ville. J'ai une liste de 13 cadastres qui sont principalement des rues ou des bouts de rues qui nous appartiennent. Donc, ça représente un montant de 1025,86 $. Donc, on s'empêche nous-mêmes de nous payer. Et il y a un montant supplémentaire de 3 autres terrains de 30 $. Ça, c'est des listes de taxes à radier qui sont souvent des taxes, des terrains finalement qui n'ont jamais été réquisitionnés dans le processus de non-paiement de taxes, donc de la vente aux enchères. Donc, ultimement, ils n'appartiennent plus à personne. Donc, on assume aussi le fait de radier les taxes dues à la ville. En proposition, s'il vous plaît. Daniel Doré, je propose. Merci. Et en appui. Isabelle Lapointe, je l'appuie. Merci. Donc, j'ai peut-être à titre indicatif, là, c'est des montants dans le premier cas, là, dans les terrains qui appartiennent à la ville. Ça varie entre 366,40 $ et 18 sous. Dans les trois terrains qui n'appartiennent, je dirais, à personne, ça varie entre 28,73 $ à 75 sous. 2.4.1, dépôt de la démission de M. Julien Presseau à titre de pompier. M. Presseau est avec nous dans la salle. Donc, au nom du conseil municipal, au nom de l'administration, des employés de la ville de Saint-Colomban, je tiens à vous remercier pour vos années de service. Vous avez été embauché en décembre 2007. Vous avez été pompier temps partiel. Les mots que j'ai reçus des gens du service qui vous ont côtoyé sont tous irréprochables. Les gens ont adoré travailler avec vous et nous vous souhaitons le meilleur pour l'avenir. Vous êtes âgé, vous me disiez, plutôt de 61 ans. Il reste de bonnes années devant vous. Et je vous les souhaite heureuses. Merci beaucoup. Le micro n'est pas ouvert, par contre. Est-ce que... Un instant, on va attendre juste un instant. Est-ce qu'il est ouvert, Maxime? Parfait. Monsieur le maire, je vous remercie de votre politesse. Ça me touche réellement. En 2007, M. Lacroix m'avait engagé. M. Louis aujourd'hui, qui est là comme directeur au moment de ma démission. Je profite de l'occasion aussi pour remercier M. Lacroix, un homme d'une droiture exceptionnelle. Celui-ci m'a fait confiance, ainsi que la direction de la ville m'a fait confiance. Soyez assuré que pendant toutes ces années, je me suis investi au maximum afin de projeter une image professionnelle et respectueuse du service, puis bien représenter la ville, puis bien servir la collectivité. Et je vous remercie de m'avoir fait confiance. Merci beaucoup, M. Presseau. Dépôt de la démission de Mme Hélène Patnaud à titre de soutien administratif. Donc, nous prenons acte de la démission en date du 3 novembre 2019. Mme Patnaud, comme je l'ai dit, occupait le titre de soutien administratif. 2.4.3. Embauche de 2 surveillantes d'installation. Considérant que l'affichage a été effectué en conformité avec les dispositions de la convention collective, considérant que la directrice des ressources humaines a procédé à une recherche de candidature pour un poste de surveillant d'installation, poste régulier à temps partiel à horaire variable, considérant la réception de candidature pour ce poste, et considérant qu'à la suite de l'analyse des candidatures, la directrice des ressources humaines recommande de procéder à l'embauche de Mme Jade Foucault et Mélissa Belval. Il sera proposé ainsi d'entériner ces embauches en date du 15 octobre 2019 de l'édite dame au poste de surveillante d'installation et ce, conformément aux dispositions de la convention collective. La présente embauche, bien sûr, sont conditionnelles à la démonstration d'une recherche négative d'empêchement judiciaire. En proposition, s'il vous plaît. Sandra, merci, je le propose.
Merci. 2.4.4. Oh, en appui, pardonnez-moi. Danny Beauséjour, je l'appuie. Merci. Embauche de deux journaliers surnuméraires pour l'entretien des parcs et espaces verts, constatant que l'affichage a été effectué en conformité avec la convention collective, constatant que la directrice des ressources humaines a procédé à une recherche de candidature pour un poste surnuméraire de journalier 40 heures semaine au poste précédemment nommé, constatant la réception de candidature pour ce poste, il est recommandé d'embaucher messieurs Esteban Drouin et Christopher Lacasse, et il sera ainsi proposé d'embaucher ces 10 messieurs au poste de journalier à l'entretien des parcs et espaces verts pour le service des sports, loisirs et vie communautaire, poste de 40 heures semaine. En proposition, s'il vous plaît. Étienne Normand, je vais le proposer. Sandra Mercier, je vais l'appuyer. Merci. 2.4.5, embauche d'un inspecteur en urbanisme et en environnement, poste surnuméraire à temps plein, remplacement d'un congé de maternité. Constatant que l'affichage a été effectué en conformité avec les dispositions de la convention collective, constatant que la directrice des ressources humaines a procédé à une recherche de candidature pour un poste d'inspecteur en urbanisme et en environnement, poste surnuméraire à temps plein, remplacement d'un congé de maternité de 37,5 heures par semaine au service d'aménagement, environnement et urbanisme, constatant la réception de candidature pour ce poste, il est recommandé d'embaucher M. Nicolas Guillot. En conséquence, il sera proposé d'embaucher en date du 18 novembre 2019, le dit monsieur, au poste précédemment nommé. Tout ça, c'est conditionnel, bien sûr, à une recherche négative d'empêchement judiciaire en proposition. Sandra, merci, je le propose. Étienne Norbert, je l'appuie. Merci. 2.4.6, nomination d'une technicienne en documentation. Constatant que l'affichage a été effectué en conformité avec les dispositions de la convention collective, constatant que la directrice des ressources humaines a procédé à une recherche de candidature pour un poste régulier de technicienne en documentation de 37,5 heures par semaine au service du greffe et des archives, constatant la réception des candidatures pour ce poste, il est recommandé de procéder à la nomination de Mme Stéphanie Vermette, qui est déjà à l'emploi de la ville de Saint-Colomban. Donc, il sera proposé de nommer Mme Séance Tenante, Mme Vermette, au poste de technicienne en documentation au service du greffe et des archives. Et ça, conformément aux dispositions de la convention collective. En proposition, s'il vous plaît. Christiane Wilson, je propose. Isabelle Lapointe, je l'appuie. Merci beaucoup. 2.4.7. Autorisation de procéder à la création d'un poste de conseiller en planification et optimisation. Considérant la volonté de la Ville d'améliorer les différents services municipaux offerts à la population afin de les rendre plus efficaces et efficients. Considérant que la priorité de la Ville est à l'effet de rendre l'organisation municipale davantage performante, et ce, au bénéfice et dans l'intérêt des citoyennes et citoyens de la Ville, il sera proposé d'autoriser la directrice des ressources humaines à créer un poste de conseiller en planification et optimisation, poste cadre permanent, à temps plein, classe d'emploi 2, échelon 1, de 37,5 heures par semaine. Ce poste-là, nous le plaçons dans l'organigramme comme étant très important. C'est ce que j'aime appeler un bras d'action de la direction générale. Donc, c'est un poste qui va servir finalement à venir en main forte finalement aux différents services de la ville de Saint-Colomban. Et c'est ce sur quoi on mise beaucoup. C'est notamment grâce à ce type de poste que nous espérons prendre les projets et les amener à un niveau supérieur. Je pense au marché public, je pense à l'offre à la petite enfance, je pense à l'optimisation des différentes activités offertes sur le territoire. Je pense aussi à tout développement de nouveaux projets que la ville de Saint-Colomban pourrait mettre en œuvre dans les prochaines années. Donc, en proposition, s'il vous plaît. Daniel Derain, je propose. Étienne Normand, je vais l'appuyer. Merci beaucoup. Nomination d'une conseillère en planification et optimisation. Donc, on crée le poste et ensuite on le comble. Nomination d'une conseillère en planification et optimisation, considérant le besoin de nommer un conseiller en planification et optimisation. Considérant la recommandation de la directrice des ressources humaines de nommer Mme Marie-Josée Roque-Boissonneau à ce poste, il sera proposé de nommer à compter du 17 novembre 2019 Mme Marie-Josée Roque-Boissonneau à titre de conseillère en planification et optimisation, de lui verser un salaire annuel correspondant à la classe d'emploi 2, échelon 1, et de l'intégrer aux avantages prescrits dans la politique portant sur les conditions de travail offertes aux employés cadres de la Ville. Donc, pour ceux qui suivent l'actualité municipale, Mme Marie-Josée Roque-Boissonneau est à l'embauche de la Ville, suivant finalement un montant résiduel de Québec en forme qui était offert à la MRC Rivière-du-Nord et pour lequel il n'y avait pas d'intérêt. Donc, j'ai pris la balle au bond, j'ai amené finalement ce fonds-là
à l'intérieur de la ville de Saint-Colomban. Mme Roque-Boissonneau a su faire preuve d'un professionnalisme hors normes et des capacités suffisantes pour occuper le nouveau poste que nous créons en séance tenante. Et nous sommes très heureux, et je suis personnellement très heureux de proposer son embauche grâce à la recommandation de la directrice des ressources humaines aussi. Et je suis très, très, très emballé des possibilités que la création de ce poste-là peut amener dans le développement des services de la ville de Saint-Colomban. Donc, avant de m'emporter davantage, je vais vous demander de proposer et d'appuyer cette résolution. Isabelle Lapointe, je le propose. Christiane Wilson, je seconde. Merci beaucoup. 3.1. Dépôt du rapport mensuel des permis du mois d'octobre. Nous sommes au service d'urbanisme, environnement et de l'aménagement. Dépôt du rapport mensuel des permis du mois d'octobre 2019. Donc, comme à l'habitude, il est projeté derrière moi. Il sera mis en ligne dans les prochains jours. Ça vous permet de constater finalement l'émission de nouveaux permis, de permis de rénovation, agrandissement et de bâtiments accessoires. Donc, vous pouvez voir le comparable avec l'année précédente. Je laisse quelques secondes aux gens pour pouvoir le consulter avant de continuer. Merci. Il n'y a pas de deuxième version? Pas de tableau? Il est passé, c'est fait. Dépôt du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme du mois d'octobre 2019. Nous sommes en 3.2. Donc, le procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme s'est tenu. La rencontre s'est tenue le 15 octobre 2019. Donc, c'est un dépôt. En 3.3, Mme Doreche, est-ce que vous voulez en faire la lecture? Oui, merci beaucoup. La présentation. En fait, le point 3.3, c'est une demande de dérogation mineure. C'est une deuxième analyse du dossier suite à M. Corohan qui est ici présent ce soir. Ce qu'on a fait suite à cette analyse du dossier, on est allé visiter le terrain. On a réalisé que moi et mon collègue Danny, on est allé visiter le terrain et puis évidemment il y a un roc. Il y a un roc qui fait à peu près la moitié du terrain, aller tout vers la gauche. On a piloté, on s'est promené, on a regardé toutes les possibilités. On a parlé aussi avec une des voisines qui était à côté, à savoir exactement là, les limites du terrain et tout ça, pour en avoir une idée beaucoup plus claire. Par la suite, on en a parlé aussi au CCU, on en a reparlé pour voir là, s'il y avait d'autres alternatives ou d'autres possibilités. On en a parlé aussi au caucus la semaine passée. On a expliqué à nos collègues, dans le fond, qu'est-ce qu'il en était de la demande. S'il n'y a pas eu de changement, je m'attendais peut-être à ce qu'il y ait du changement par rapport à ce dossier-là, mais là, il n'y en a pas eu, puis vous n'êtes pas venu vous présenter tout à l'heure là, pour verbaliser peut-être vos besoins et tout ça. Fait qu'on reste quand même avec l'idée que qu'est-ce que vous pouvez faire. Il y a deux points, ça serait de reculer la maison et de dynamiter, évidemment, ce qui coûterait plus cher, mais on ne peut pas prendre de décision par rapport au dynamitage en tant que tel, puisque ça créerait probablement des précédents avec d'autres citoyens qui ont fait ces demandes-là. Sinon, c'est de faire avec le plan, c'est de faire l'effet miroir pour avoir toujours votre garage du côté sud. Puis, c'est ça. Je pense qu'on s'est entendu sur ces deux points-là. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter ou je ne sais pas si je peux demander ça. Mmh. Oui. Ça va faire un précédent auprès des voisins? Bien, c'est d'autres citoyens qui ont fait la demande avec ce genre de demande-là. Ça veut dire qu'on peut faire du dynamitage, c'est ce que vous proposez? Si vous voulez implanter votre maison sur ce terrain-là, vous n'aurez pas le choix de faire du dynamitage. Ça, on était au courant. C'est ça. OK. Tantôt, on a discuté avec M. Beauséjour. J'ai une question pour la madame. Si je fais le dynamitage, je mets le dynamite, je peux le bâtir la maison telle quelle?
Oui ou non? Non, non. Alors donc? En fait, oui. Oui, si vous reculez, il faut reculer un petit peu la maison. Il faut quand même la reculer, parce que le roc est quand même dans le problème, ce n'est pas l'ennemitage, madame. Le problème, c'est un mur frostbite. J'ai expliqué ça. Oui. Un mur frostbite, il faut que j'aille chercher minimum 5 pieds plus creux. Minimum. C'est un mur. En faisant un dalle sous-sol, il y a un dalle. J'oublie tout le temps. C'est pas grave. Non, non. Structural, enfin. En faisant un dalle structural, parce qu'il y a une partie où est-ce qu'il y a le mur frostbite, il y a un dalle structural et où est-ce qu'il y a le mur de dalle. Les deux dalles, ils travaillent différemment. C'est qu'ils travaillent, ils font comme un estomac de vache, un estomac de bœuf. Ils font comme moi. Ça veut dire que ça casse le béton. Donc, c'est question de temps. Quand les deux ciments, ils vont se jointer, ils vont le monter, ils vont casser. C'est ça le danger. Parce qu'une partie de la dalle est assise sous le mur frostbite et l'autre sur la dalle, sur le roc. Mais votre maison est un étage? Un étage. C'est un étage complet, là. Oui. Fait que dans le fond, c'est si vous aplatissez le terrain, vous mettez votre maison sur le terrain comme qui serait supposé. Moi, je suis conscient qu'il faut faire le limite. Oui. J'ai savé ça. Mais si je peux me permettre, monsieur, dans la démonstration que nos collègues nous ont fait, il y avait deux possibilités, puis Mme Dorin, je vous l'ai bien expliqué. Si ça avait été simplement un problème lié à l'implantation de la structure et de la fondation, c'est tout autre dossier que de regarder le terrain puis d'évaluer la possibilité que vous ajustiez au terrain puis que vous appliquiez un effet miroir à votre plan. Nous, là, quand on étudie un dossier de dérogation mineure, puisque Mme Dorange faisait référence tantôt, moi, je suis de près ou de loin là, les comités consultatifs d'urbanisme depuis 2008. Des cas où des gens nous apportaient des dossiers pour leur permettre d'être dans les marges pour éviter du dynamitage ou des obstacles liés à la construction d'un bâtiment, ça s'est refusé dans le passé parce que nous n'avons pas à donner davantage ou à statuer sur les avantages ou les désavantages de situer un bâtiment en fonction des marges. Il faut qu'il y ait vraiment des obstacles insurmontables. Puis dans votre cas, la deuxième situation, là, ce qui vous permet finalement de déplacer la maison, là, j'ai pas mes axes nord-sud, là, mais ça vous permet de déplacer la maison là, par ici, de reculer tout en respectant les marges, ici, puis de faire un effet miroir. Là, vous allez vous sortir finalement de votre dérogation mineure de marge avant. Puis ça, nous, on l'a évalué et on a dit, vous avez une autre solution. Nous n'avons pas à se sentir obligés de vous signer une dérogation, de voter une dérogation vous mineure. Vous voyez le plan de plantation. D'après vous, la maison est plantée où à peu près? Au milieu du terrain? En plein centre. En plein centre. Vous avez 12,13 mètres. Vous n'avez pas l'obligation de la mettre au centre? Non, mais... Voulez-vous que je tasse où? Vers la gauche ou vers la droite? Vous êtes devant le terrain, je tasse à droite ou à gauche? Vers la droite. Vers la droite, j'ai la permission de vous débattre. Ben, en fait, votre obstacle, là, c'est que vous nous demandez d'intervenir parce que vous ne répondez pas aux distances de 15 pieds. Minimales. C'est 15 mètres? 15 pieds. J'ai compris ça. 15 pieds. Donc, la suggestion, là, c'est demander de prendre votre plan et de la déplacer en diagonale. En la déplaçant en diagonale arrière, vous allez aller chercher votre 15 mètres, ou en tout cas la distance là, qui vous manque pour être réglementaire. Donc là-dessus, à place de faire un seul mur frostbite, je vais faire deux. Un vers la gauche et l'autre en arrière. Bien, nous, dans le fond, dans ce qu'on a analysé, là, si vous agissez comme ça, vous n'avez pas besoin de dérogation mineure. Non, vous n'avez pas de préjudice. Vous ne subissez pas de préjudice. En tout cas. On n'a pas besoin de dérogation. Par contre, ça nous cause un problème pour construire la maison avec les différents niveaux de terrain qu'on a. Donc, ça va faire en sorte que, faut, comme mon conjoint dit, construire des murs. Et les murs, ils doivent être dans le sol. Et comme on a des murs versus une plateforme solide, ça fait en sorte qu'on a tout le monde qui va jouer un petit peu sa game et faire en sorte que la maison va bouger. Même si c'est juste un plancher, on va avoir des murs qui vont craquer, des fenêtres qui vont être croches. C'est notre troisième maison qu'on construit et on est un peu conscient de ce qu'on fait dans ce sens-là. Donc, c'est pour ça qu'on voulait la faire à cet endroit-là, parce qu'on était sur le roc complètement et la maison ne bougerait pas.
Alors, si on prend notre maison, même si je la flippe, j'ai encore le même problème parce que je la flippe de l'autre côté, j'ai encore et je dois la tasser, je vais encore avoir ces différents murs qui vont jouer différemment sur la maison. L'obstacle derrière, là, ce que vous nous avez exposé le mois passé, puis de la façon dont on a suivi le dossier, là, c'est qu'il y a du roc en arrière. Plus prononcé. Il y a du roc, il y a un... En-dessous de la maison et en arrière. C'est ça, en-dessous de la maison et en arrière. Fait que nous, dans le fond, on évaluait, si vous ne faites que reculer la maison, là, ça augmente la quantité de dynamitage à faire. C'est pas le dynamitage qu'on discute. Ouais, je comprends. Le dynamitage, si on était conscient du dynamitage, c'est juste que si on la recule, on n'a plus de roc vraiment à 15 pieds. Il y a 15 pieds qui n'aura pas vraiment de roc en tant que tel. Il est comme dans le vide. Alors, il faut remplir, il faut faire un mur pour tenir la maison parce qu'il y a un trou là. Donc, ce qu'on dit, c'est que ce mur-là va jouer avec la plateforme qui va, la moitié. Fait que j'ai la maison qui va travailler comme ça. Mais vous comprenez que quand on a à dicter des dérogations mineures, nous, on dicte vraiment l'emplacement des bâtiments. Les défis de conception. Normalement, ils ne sont pas analysés parce qu'on travaille sur l'aménagement général puis l'urbanisme général du quartier. Les défis de conception, comme j'ai dit, là, moi, depuis 2008, je suis sur le CCU en tant que citoyen, je l'ai été comme conseiller municipal, là, je suis maire, j'en ai vu des dossiers. Puis normalement, des défis de conception, ce n'est pas une question qui concerne le conseil municipal. En ce sens-là, j'ai le malheur de vous dire que si le plan que vous avez ne correspond pas à la réalité du terrain, puis si vous n'acceptez pas les solutions qui vous permettent de rentrer dans les marges, il y a deux solutions. T'sais, si vous tenez absolument à la construction de la maison, il faut soit vous trouver un autre terrain, ou sinon changer le plan, ou rentrer dans les marges. Dans le fond, vous en avez quatre solutions. Soit vous reculez, soit vous vous déplacez en diagonale, soit vous gardez votre plan, vous changez de terrain, vous changez de plan pour vous adapter au terrain. Et on doit être à combien de mètres du voisin de droite? 2,5. 2,5 mètres? Je crois à 2,5. Je veux pas... Tu prenez et... pas... C'est mieux de contacter le service d'urbanisme, là? T'as 50 mètres. Non. Marche latérale, c'est 2. S'il y a deux fenêtres, s'il y a deux fenêtres, c'est 2,5 mètres, c'est pas de fenêtre. 1,8. C'est beau, Anne-Louise. Ah, oui. Mais c'est vraiment le principe qu'on a des... Tu sais, il y a des autres solutions. Peu importe ce qu'on dit ce soir, c'est non, sûr mais, que c'est mais réfléchissez non. vraiment à l'effet miroir. Qu'est-ce que ça pourrait apporter à votre... C'est parce que ça ne fait pas le même effet énergétiquement pour moi. C'est pas ce qu'on en a connu, nous, non, pas l'énergie par rapport... Pour les forces. Au niveau du soleil et tout, ouais, c'est énergétiquement pour... Les forces. De la façon dont on va rentrer, comment je vais me sentir dans la maison. C'est juste ça que je veux dire au niveau énergétique miroir, pour moi. Miroir. Dites-moi, comment on peut faire ça à miroir? Explique-moi. Vous prenez non, votre non, plan, c'est le prenez votre plan et vous le faites comme ça. Oh, madame, mais pour l'amour de mon Dieu, j'ai 59 ans, j'ai fait quelque chose dans la vie. Moi, tout fait, madame. Mais tant que c'est pas construit, monsieur, tout est possible. Madame, tout est possible. Oui, bon. Tout à fait. C'est bon. On vous remercie beaucoup. Merci. 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 Donc? 3.3, dérogation mineure. Oui, exact. Vas-y. Pardon? J'ai pas compris. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui sont dans la salle qui voulaient se faire entendre relativement à ce dossier-là? Tu vas en faire la lecture, Daniel? Oui. Dérogation mineure, rue Montcalm. Considérant la demande de dérogation mineure relativement à l'immeuble suivant, matricule 54-65-00-12-56, le cadastre 2 078 379 et l'adresse est la rue Montcalm. Considérant que la demande de dérogation mineure visait à permettre l'implantation d'un bâtiment principal projeté à 12,99 mètres au lieu de 18,36 mètres, qui est de 15 pieds, nonobstant le fait que cette distance ne respecte pas l'article 134. Non, c'est plus que 15 pieds. Non, mais c'est 6 mètres. De... 6 mètres. En fait, il y a une dérogation mineure qui est demandée pour réduire de 18 à 13. 18,36 à 12,99. Donc, c'est une dérogation mineure de 6 mètres. C'est pas mineur. Ouais, je comprends. Je connaissais pas ce mot avant de
Je comprends. Voilà pourquoi je suis là. Je comprends. C'est la première fois que je trouve un obstacle sur le terrain. D'accord. OK. Le fait que cette distance ne respecte pas l'article 134 du règlement du zonage 3001 et ses amendements portant sur l'application de la marge avant pour un bâtiment principal projeté adjacent à un ou à des bâtiments principaux existants implantés au-delà de la marge avant minimale. Le tout tel qu'il apparaît au plan minute 11727 et 11682 préparés par Jean-Pierre Caillat à Arpentage et au Maître en date du 11 juillet et du 9 septembre 2019. Considérant la recommandation défavorable du comité consultatif d'urbanisme du 17 septembre 2019 concernant la dérogation mineure 2019-00236, considérant que le conseil municipal a reporté ce point lors de la séance du 8 octobre 2019, considérant que l'avis public a été réaffiché et republié le 18 octobre 2019 sur le site Internet de la Ville annonçant la dérogation mineure 2019-00036, considérant que la parole est donnée aux personnes présentes ici à l'Assemblée, il est proposé de refuser la dérogation mineure 2019-00236 telle que recommandée. En proposition, s'il vous plaît. Daniel Darèche, je propose. Daniel Darèche, je l'appuie. Merci beaucoup. Donc, c'est pas des décisions faciles. On a une application. Merci beaucoup. Merci. 3.4, cession du lot 1,673,102 dans le cadre du programme général d'indemnisation et d'aide financière relatif aux inondations et pluies abondantes survenues du 14 avril au 24 avril 2019 dans des municipalités du Québec, décret 403-2019. On va parler de la bonne inondation. Donc, ça concerne une adresse qui est au 269 bord de l'eau. Non, pas encore. Considérant qu'au printemps 2019, le débordement de la rivière du Nord a provoqué l'inondation de propriétés sur le territoire de la ville, considérant que cette inondation a occasionné des dommages à l'immeuble précédemment nommé du Calage du Québec et celui-ci doit être démoli en vertu de la zone d'intervention spéciale décrétée par le gouvernement. Considérant que le propriétaire est éligible au programme d'aide financière précédemment mentionné, considérant que le propriétaire du dit lot a choisi de céder son terrain à la ville pour la somme nominale d'$1, il sera proposé d'autoriser le maire ou en son absence le maire suppléant, le directeur général ou en son absence le greffier à signer les documents requis à l'acquisition du lot 1,673,102 du Calage du Québec. Il est entendu que tous les frais inhérents à cet acte sont aux frais du propriétaire du dit lot. En proposition, s'il vous plaît. Isabelle Lapointe, je le propose. Denis Beauséjour, je l'appuie. Donc, vous avez la projection du lot sur écran. C'est, je crois, une des dernières maisons de la rue Bordelot Est. Donc, on est très, très près de la rivière du Nord, là, près du pont Mackenzie, pour vous aider à vous replacer. Donc, les dommages ont été importants. Le citoyen a accepté la proposition du gouvernement du Québec. Et dans cette proposition-là, bien, il y a l'accord. Nous devons finalement voter une résolution pour démontrer notre intérêt à être propriétaire du terrain. Vous comprendrez que c'est une zone inondable. Là. Nous prenons le terrain, mais il n'y a absolument pas de perspective de réémission de permis de construction sur ce dit lot. En proposition, est-ce qu'on avait proposé? C'est voté? Merci. 3.5. Avis de motion, règlement numéro... Je suis bien là, hein? Je ne vais pas oublier Mme Huot. Ce serait bête de vous oublier. Je vais dire, vous me stressez, là, je ne veux pas vous oublier. 3.5. Avis de motion, règlement numéro 3001-2019-08, modifiant le règlement de zonage numéro 3001 tel qu'amendé, afin de modifier plusieurs dispositions. Donc, ça prend quelqu'un qui donne l'avis de motion. Sandra, merci. Je vais donner l'avis de motion. Merci beaucoup. Donc, il y aura en 3.6. 3.6, adoption du premier projet de règlement numéro 3001-2019-08, modifiant le règlement de zonage numéro 3001 tel qu'amendé,
afin de modifier plusieurs dispositions. Donc, considérant qu'un avis de motion est donné, séance tenante. Considérant que copie du règlement a été mise à la disposition du public pour consultation dès le début de la séance. Considérant que les dispositions de ce règlement sont susceptibles d'approbation référendaire. Il est proposé d'adopter le premier projet de règlement numéro 3001-2019-08, modifiant le règlement de zonage numéro 3001 tel qu'amendé, afin de modifier plusieurs dispositions. Nous sommes dans l'obligation aussi de tenir une assemblée de consultation publique le 3 décembre 2019 à compter de 19 h. À cette date, le règlement sera expliqué, toutes les modifications seront expliquées par le directeur, fort probablement par le directeur de l'urbanisme. Donc, je ne vous ferai pas de présentation. S'il y a un élément que je peux mentionner qui est modifié là-dedans, c'est on augmente les unités animales possibles sur les terrains, donc notamment sur les fermettes, mais principalement, on augmente la façon, on augmente le calcul total des unités animales possibles sur certains terrains. Donc, ça va concerner beaucoup les propriétaires de chevaux, notamment, qui étaient restreints à deux seuls chevaux. Donc, on vient se coller sur les exigences du schéma. On était plus sévère que le schéma. Donc, on va se coller finalement là, aux unités animales qui sont indiquées sur le schéma d'aménagement. C'est notamment un des éléments. Si jamais vous voulez en savoir plus, demain, je crois, M. Laurent Taillefer, le règlement va être disponible en ligne et ce sera expliqué plus amplement le 3 décembre prochain. 3.7, est-ce qu'il y a une adoption? En proposition, s'il vous plaît. Christian Wilson, je propose. Danny Beauséjour, je l'appuie. Donc, étant donné que c'est un règlement d'urbanisme, ça prend une deuxième adoption afin que le règlement entre en vigueur. Donc, de là la consultation publique. Donc, si jamais des gens voulaient se manifester concernant les éléments de cette modification-là, vous avez amplement le temps de le faire. 3.7, avis de motion, règlement numéro 3003-2019-03, modifier le règlement numéro 3003 relatif au permis de certificat de la Ville de Saint-Colomban tel qu'amendé, afin de modifier les dispositions relatives au déblais et au remblais. Ça prend quelqu'un qui donne l'avis de motion, s'il vous plaît. Étienne Normand, je vais le donner. Je vais le donner. Merci beaucoup, M. Urbain. 3.8, adoption du projet de règlement numéro 3003-2019-03, modifier le règlement numéro 3003 relatif au permis certificat de la Ville de Saint-Colomban tel qu'amendé, afin de modifier les dispositions relatives au déblais et au remblais. Considérant qu'un avis de motion est donné, séance tenante, considérant qu'une copie du règlement a été mise à la disposition du public dès le début de la séance, considérant que les dispositions de ce règlement ne sont pas susceptibles d'approbation référendaire, il sera proposé d'adopter le projet de règlement numéro 3003-2019-03, modifiant le règlement numéro 3003, relatif au permis et certificat de la Ville de Saint-Colomban tel qu'amendé, afin de modifier les dispositions relatives au déblais et au remblais, de tenir une assemblée de consultation publique le 3 décembre 2019 à compter de 19 h. Donc, même raison, étant donné qu'il va y avoir une présentation, une consultation publique le 3 décembre, je vais me garder d'en faire la présentation complète. Nous venons tarifer, après une certaine quantité, le déblais et les remblais sur le territoire. Et là, il y a une grille, finalement, en fonction des mètres carrés. Donc, lié au besoin de faire des déblais ou des remblais. Annuel. Oui. En proposition. Sandra, merci. Je le propose. Daniel Darèche, je l'appuie. Merci beaucoup. 3.9, nomination d'un membre au comité consultatif en environnement. Considérant qu'un membre du comité consultatif en environnement a remis sa démission et qu'il y a lieu de procéder à la nomination d'un nouveau membre, il est proposé de nommer séance tenante M. Benjamin Brossard à titre de membre du comité consultatif et ce jusqu'au 15 janvier 2021. En proposition, s'il vous plaît. Sandra, merci. Je le propose. Christian Wilson, je seconde. 3.10, émission d'un permis de démolition obligatoire, 141 rue du Domaine Lebeau. C'est un dossier qu'on entend parler depuis longtemps, auquel j'ai hérité dès mon entrée en poste et pour lequel nous avons poussé à la limite de notre possible. Je tiens à souligner la part importante de la députée, Mme Agnès Grondin, de son bureau dans ce dossier-là. Et ça me fait très plaisir de vous faire plaisir, Mme Huot, dans ce cas-ci. Donc, pour vous expliquer de manière, pour vulgariser la situation, Mme Huot est propriétaire d'une maison située au 141 rue du Domaine Lebeau, une maison qui subit énormément d'inconvénients, si je peux me permettre, lors de fortes crues printanières, mais aussi de forts épisodes de pluie. Vous avez eu des dégâts et des conséquences sur votre propriété depuis des années. Vous receviez un chèque finalement émis par le ministère de la Sécurité publique
annuellement pour refaire toujours les mêmes travaux. Donc, le défi était de convaincre le ministère de la Sécurité publique d'arrêter de vous envoyer un chèque annuel pour refaire ce qui se faisait défaire à chaque printemps. Donc, grâce, je vous dirais, à la zone d'intervention spéciale qui nous a permis d'inclure votre dossier dans la situation qui avait été vécue sur Rivière-du-Nord. Je vous vois une touche. Considère, hein, donc je vais faire la lecture. C'est dur. Hein? Considérant que les services de la Ville ont effectué plusieurs interventions à cette adresse, considérant le rapport de visite effectué le 16 novembre 2017 par l'Institut des territoires, considérant les discussions entreprises avec le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, merci Isabelle, considérant l'étude préparée par Geostar Incorporé relativement à la qualité de l'air de la bâtisse datée de mars 2018 parce que vous avez subi des conséquences sur votre santé, considérant l'évaluation des risques de la santé préparé par le CI3S de Laurentides, daté d'avril 2018. Considérant l'évaluation de la propriété faite par la MRC de la Rivière-du-Nord, datée de juin 2019. Considérant l'évaluation effectuée par le ministère de la Sécurité publique suite aux inondations printanières 2019. Considérant les discussions entre le bureau de la députée de la ville de Saint-Colomban relativement à ce dossier. Faut pas que je vous regarde. Considérant les différentes interventions effectuées au dossier, que pour des raisons humanitaires, il est justifié d'émettre un permis de démolition obligatoire. C'est rare qu'on se réjouisse de l'émission d'un permis de démolition. Il est proposé d'autoriser le service d'aménagement, environnement et urbanisme à émettre un permis de démolition obligatoire pour la propriété située au 141 rue du domaine Lebeau. En proposition. On va attendre le vote. D'un coup, Isabelle Lapointe, je le propose. Daniel Darège, seconde. Merci, mesdames. Dossier clos. C'est plate de vous voir partir. Mais je suis pas égoïste, puis c'est votre bonheur d'abord. En tout cas, il n'y a plus d'obstacles liés au. Ouais, je pense que oui. Là, ça va être l'émission du permis. Les travaux, là, c'est à voir quand vous pouvez démolir. Là. Il y a sûrement des obstacles géographiques, OK, au niveau du climat. Fait que maintenant, ça va être entre vos mains. J'espère que le ministère va bien vous traiter et que vous allez recevoir les choses promises dans les temps qui vous ont été promis aussi. Merci beaucoup. Merci. 4.1. On passe d'une démolition à l'achat d'abrasifs. C'est ça la vie. Fourniture et transport d'abrasifs 2019-2020. Considérant que la Ville a procédé à un appel d'offres public pour la fourniture et le transport d'abrasifs 2019-2020, TPSP 2019-335. Considérant. Merci. Considérant le résultat de l'ouverture des soumissions du 24 octobre 2019, Carrière Laurentienne, division Carrière Unijack. 131 910, Uniroc incorporé 132 815, considérant la recommandation du directeur du service des TP, il est proposé d'octroyer contrat à l'entreprise Carrière Laurentienne, division Carrière Unijack incorporé, se conformément à leur soumission datée du 24 octobre 2019, au montant de 131 910 $, excluant les taxes applicables, et d'imputer cette dépense aux activités de fonctionnement au code budgétaire 02-330-02-0622. En proposition, s'il vous plaît. Denis Beauséjour, je propose. Isabelle Lapointe, je l'appuie. Merci. 4.2, octroi de contrat, service professionnel pour l'évaluation de l'impact des mesures de mitigation déployées par la Ville relativement au dépôt d'abrasifs divers, considérant le rapport déposé en novembre 2013 par la firme AGEOS quant à l'évaluation des impacts environnementaux du dépôt d'abrasifs hivernaux sur les eaux souterraines, considérant la recommandation du rapport de réaliser un suivi de la conductivité des chlorures et du sodium relativement aux eaux de puits municipaux, et ça à chaque 2 ans. Considérant la recommandation du directeur général adjoint, il est proposé d'octroyer le contrat à la compagnie AGEOS incorporée au coût de 9 932 $50, excluant les taxes applicables, et ce, conformément à leur offre de prix datée du 23 octobre 2019, et d'imputer cette dépense aux activités de fonctionnement au code budgétaire 02-320-00-411. En proposition, s'il vous plaît. Denis Beauséjour, je propose. Isabelle Lapointe, je l'appuie. Merci. Ben oui, hein? La clim. 4.3,
Octroi de contrat, achat d'une remorque fermée, considérant que la Ville désire faire l'acquisition d'une remorque fermée, considérant que le directeur du service des TP a effectué une recherche de prix auprès des entreprises suivantes, équipement et remorque. Yves Leroux incorporé, remorque olympique incorporée, attache et remorque label incorporée, considérant le résultat de recherche de prix, considérant que le résultat de la recherche de prix est le suivant, équipement et remorque Yves Leroux incorporé 9327, remorque olympique 9660, attache et remorque label 10 013,50. Considérant la recommandation du directeur du service des travaux publics, il est proposé d'octroyer le contrat à la compagnie et remorque Yves Leroux au coût de 9 327 $ excluant les taxes applicables et ce, conformément à leur offre de prix datée du 5 novembre 2019 et d'imputer cette dépense aux activités d'investissement au code budgétaire 22-300-007-25, projet 2019-16 et financé par le fonds de roulement et remboursable sur une période de 2 ans. En proposition, s'il vous plaît. Isabelle Lapointe, je le propose. Denis Beauséjour, je le seconde. Merci. 4.4, mandat à l'Union des municipalités du Québec, appel d'offres pour l'achat de chlorure utilisé comme abat poussière. Il est proposé, c'est long, hein, ce qui est proposé, que la Ville confie à l'UMQ le mandat de procéder sur une base annuelle en son nom et celui des autres municipalités intéressées au processus d'appel d'offres visant à adjuger, un contrat d'achat regroupé de différents produits utilisés comme abat poussière, chlorure en solution liquide, nécessaire aux activités de la Ville pour l'année 2020, que pour permettre à l'UMQ de préparer son document d'appel d'offres, la Ville s'engage à fournir à l'UMQ les types et quantités de produits dont elle aura besoin en remplissant là où les fiches techniques d'inscription requises que lui transmettra l'UMQ et en retournant ces documents à la date fixée, que la Ville confie à l'UMQ la responsabilité de l'analyse des soumissions déposées. Et de ce fait, la Ville accepte que le produit à commander et à livrer sera déterminé suite à l'analyse comparative des produits définis au document d'appel d'offres. Si l'UMQ adjuge un contrat, la Ville s'engage à respecter les termes de ce contrat comme s'il avait contracté directement avec le fournisseur à qui le contrat est adjugé. Que la Ville reconnaisse que l'UMQ recevra directement de l'adjudicataire, à titre de frais de gestion, un pourcentage de montant facturé avant taxe à chacun des participants. Le dit taux est fixé annuellement et précisé dans le document d'appel d'offres. Qu'un exemplaire de la présente résolution soit transmis à l'Union des municipalités du Québec. Qui propose cette longue résolution? Denis Beauséjour, je propose. En appui. Non, ben je l'appuie. Merci beaucoup. 4.5, demande au ministère des Transports du Québec afin de procéder à l'installation de luminaires sur la montée de l'église, considérant que la visibilité sur une partie de la montée de l'église est déficiente à certains endroits, considérant que cette portion de la montée de l'église est sous la juridiction du MTQ. Il est proposé de demander au MTQ d'installer des luminaires aux endroits suivants, traverse piétonnière, donc entre l'hôtel de ville et le centre d'entraide, au 330, montée de l'église, et à l'intersection de la rue des Améthystes, et de la montée de l'église où il y avait lieu ce soir un accident, dérapage, malheureusement. En proposition, c'est Denis Beauséjour, je propose. Isabelle Lapointe, je l'appuie. Merci. 4.6, demande d'ajout d'un arrêt supplémentaire pour le service du transport adapté collectif MRC de la Rivière-du-Nord, considérant que la Ville a reçu une demande afin d'ajouter un arrêt pour le transport adapté collectif, considérant que l'organisme de transport a accepté cette demande. Il est proposé d'autoriser l'installation d'une pancarte portant le numéro C80 à l'intersection des rues des Roseaux et Jacques et d'autoriser l'ajout de l'arrêt C80 à l'intersection des rues des Roseaux et Jacques. C'est pour répondre à un besoin d'un usager qui devait marcher, je crois, plus d'1,5 km avant de rejoindre son point de service. Donc, on réduit la distance à moins de 600 mètres. Et dans la stratégie à venir, en fait, l'ajout de cet arrêt-là s'inclut dans la stratégie à venir de diminuer le temps ou les distances, finalement, entre les arrêts du transport collectif afin de répondre à des critères de distance de marche qui avoisinent les 500 mètres. En proposition, s'il vous plaît. Daniel Doré, je propose. Christiane Wilson, je seconde. Merci. 4.7. Demande à la municipalité régionale de Comté de la Rivière-du-Nord afin d'autoriser la Ville à procéder à la reconstruction du barrage du lac Lheureux. Considérant les dispositions de l'article 106 de la Loi sur les compétences municipales, lesquelles prévoient que toute municipalité régionale de comté peut réaliser des travaux permettant la création, l'aménagement ou l'entretien d'un cours d'eau et que ces travaux peuvent être exécutés dans le lit, sur les rives et les terrains en bordure de celle-ci. Considérant que la MRC de la Rivière-du-Nord a compétence exclusive pour exécuter des travaux dans un cours d'eau, considérant la nécessité de reconstruire le barrage du lac Lheureux, considérant que la direction de la sécurité des barrages oblige la Ville de Saint-Colombert à mettre le barrage conforme aux normes en vigueur, il est proposé de demander à la MRC de la Rivière-du-Nord d'autoriser de procéder à la reconstruction du barrage du lac Lheureux et d'autoriser le directeur général ou en son absence le greffier ou le directeur du service des travaux publics à signer tous les documents relatifs à cette demande en proposition, s'il vous plaît. Étienne Normand, je vais proposer. Et en appui. Isabelle Lapointe, je l'appuie. Merci. Les deux les plus concernés.
5.1, adoption d'une mise à jour du plan municipal de sécurité civile, considérant que les municipalités du Québec sont vulnérables et aux prises avec des sinistres d'ordre naturel ou technologique, considérant que le conseil municipal reconnaît que la ville peut en être victime en tout temps, considérant que le conseil comprend l'importance de se doter d'un plan municipal de sécurité civile en collaboration avec les officiers de la Direction générale de la sécurité civile et sécurité incendie, pardonnez-moi, il est proposé d'adopter la mise à jour du plan municipal de sécurité civile tel que déposé. Donc, principalement, il s'agit d'actualiser les noms, parce qu'il y a eu des changements de personnel. Et on va suivre dorénavant une mise à jour continuelle annuelle afin de s'assurer que les changements sont toujours conformes à la réalité. En proposition, s'il vous plaît. Daniel Doré, je propose. Et en appui. Christian Wilson, je seconde. Merci. Donc, octroi de contrat. C'est l'animal. Octroi de contrat. Octroi de contrat, aménagement d'un sentier des Bertistes. Nous sommes en 6.1. Considérant que la Ville a procédé à un appel d'offres sur invitation avec un système de pondération et d'évaluation des offres pour l'aménagement d'un sentier des Bertistes, mais l'OISI 2019-336. Considérant que les entreprises suivantes ont été invitées, Bio, VAR, les jeux modulaires, création dans les arbres incorporés. Considérant le résultat de l'ouverture des soumissions du 1er novembre 2019, création dans les arbres incorporés, 60 850 $ pointage 83.5. Considérant la recommandation du comité de sélection, en conséquence, il sera proposé d'octroyer le contrat à l'entreprise Création dans les arbres incorporés, ce conformément à leur soumission datée du 1er novembre 2019, au montant de 60 850 excluant les taxes applicables, et d'imputer cette dépense au fonds de parcs et terrains de jeu et espaces naturels au code budgétaire 22-700-20-711, projet 2018-16. Si vous vous rappelez bien, c'était un budget, je crois, de 240 000. Est-ce que je me trompe? Je pense que c'était 240 000 qui était budgété pour réaliser ce parc-là. En décidant de réaliser un sentier d'hébertisme, on vous propose un projet qui va avoir 20 modules différents dans la forêt, situé à côté de l'école Le Triolet, pour 70 000 $ là, j'inclus les taxes. Donc, pour nous, là, un, ça va dans nos orientations. Deux, on réalise un parc à un coût beaucoup plus inférieur à ce qui était budgété dans la réalisation d'un parc classique avec des modules en plastique. Donc, ça va être... Je suis très, très, très optimiste quant à la possibilité que ce parc-là va offrir à la population. 20 modules, là, pour vous faire un comparable, pour ceux qui ont vu le sentier des Bertistes en arrière de l'école Laurier des Bois, il y en a 7. Fait qu'on vient pratiquement tripler l'ampleur du sentier. Ce qui est aussi intéressant, c'est quand on décide de réaliser un parc avec des modules en plastique, on a une quasi-obligation d'aplanir le sol pour accueillir finalement les modules en plastique. En réalisant des sentiers d'hébertisme, on peut travailler avec les contraintes géographiques du terrain. Puis ça va nous permettre de développer finalement une activité dans le parc qui s'applique été comme hiver, parce qu'on veut travailler aussi à mettre en valeur les pentes du terrain pour générer des glissades naturelles afin de rendre la présence de la neige beaucoup plus agréable. En proposition, s'il vous plaît. Étienne Norvin, je le propose. Sandra, merci, je l'appuie. Merci beaucoup. Très hâte de voir ça. 6.2. Octroi d'aide financière dans le cadre du programme de soutien à l'élite sportive pour l'année 2019, considérant le programme de soutien à l'élite sportive pour les jeunes de niveau élite à poursuivre la révolution dans leur sport, considérant la recommandation du directeur du service des sports, des loisirs et de la vie communautaire, il est proposé d'octroyer une aide financière d'un montant de 6 400 $ conformément au programme de soutien à l'élite sportive pour les jeunes de Saint-Colomban. C'est une remise qui se fait annuellement depuis assez longtemps. Monsieur Panton, je me réfère à votre expérience ou à votre mémoire d'éléphant. Ça fait plus de 15 ans, je pense. C'est au moins depuis 2004. D'accord. Donc, on poursuit un peu la chose cette année. Les jeunes avaient à soumettre leur candidature au cours des dernières semaines. Donc, chose faite. Les bourses seront remises ce jeudi au Centre récréatif communautaire. Les jeunes sont invités. On va remettre ça dans le cadre d'un 5 à 7 ce jeudi 14 novembre. Donc, si vous vous rappelez bien, on faisait une cérémonie avant la séance. Donc, on sort un peu cette cérémonie de la séance-là, vraiment pour créer un événement plus adapté, finalement, à la transmission des bourses, puis créer un événement pour eux au lieu de se dépêcher avant une séance.
En proposition, s'il vous plaît. Sandra, merci, je propose. Étienne Norvège, je l'appuie. Merci beaucoup. C'est vrai. Hein? 6.3, autorisation de procéder à une demande de subvention dans le cadre du programme de soutien à la mise à niveau et à l'amélioration des sentiers et des sites de pratique d'activités de plein air. Considérant l'aménagement d'un sentier des Bertistes situé à proximité de l'école Triolet, considérant l'opportunité d'obtenir une aide financière dans le cadre du programme de soutien à la mise en niveau et à l'amélioration des sentiers des sites de pratique d'activités de plein air, il est proposé d'autoriser le directeur du service des sports, loisirs et véhicules communautaires ou toute autre personne mandatée par ce dernier à présenter une demande de subvention dans le cadre du programme de soutien à la mise à niveau et l'amélioration des sentiers des sites de pratique d'activités de plein air, d'autoriser le directeur du service des sports, loisirs et véhicules communautaires ou toute autre personne mandatée par ce dernier à signer tous les documents à cet effet en proposition, s'il vous plaît. Étienne Normand, je vais le proposer. Sandra, merci, je vais l'appuyer. Merci. 6.4, autorisation de la fabrique. À la fabrique de Saint-Colomban de procéder à la tenue d'un barrage routier afin d'amasser des fonds pour l'église de Saint-Colomban. Donc, considérant que la fabrique de Saint-Colomban désire amasser des fonds en procédant à la tenue d'un barrage routier aux intersections suivantes, Côte-Saint-Paul, montée de l'église, Côte-Saint-Nicolas, montée Filion, chemin Rivière-du-Nord, la Jeunesse. Considérant qu'en vertu du règlement sur la qualité de vie, l'autorisation du conseil municipal est requise, il est proposé d'autoriser la fabrique de Saint-Colomban à tenir un barrage routier le 6 juin 2020 de 9h à 15h aux intersections mentionnées précédemment. En proposition, s'il vous plaît. Daniel Doret, je propose. Christian Wilson, j'appuie. Merci. Ça nous amène ainsi à la période d'intervention du public. Je vous invite à venir poser vos questions. Il y a une règle non écrite de 5 minutes, mais elle n'est pas très sévère. Merci, Mme Sévigny. Donc, vous nommez, indiquez la rue où vous habitez pour nous aider à nous replacer dans votre contexte. Et la parole est à vous. Bonsoir tout le monde. Mon nom est Mario Lapointe. J'habite la rue Fellin, Saint-Colomban. Depuis plus de 30 ans. J'ai bâti plusieurs maisons dans cette rue-là. Puis, avec ma dernière maison, bien, j'ai une belle surprise. Depuis qu'on a créé le parc en arrière, j'ai des problèmes d'eau avec mon sous-sol chez moi. D'ailleurs, Monsieur le maire, j'ai eu une discussion avec vous, là, à peu près un an. Dans le bureau. Que j'attends toujours des réponses de vous, que je n'ai pas eues, puis que je n'ai pas encore. Que j'ai écrit, d'ailleurs, à Monsieur Yann Lamontagne, qui m'a répondu d'une question ridicule qui m'a choqué et que je lui ai remis une nouvelle lettre en m'exprimant un petit peu plus précis, plus précis de mes pensées. Que d'ailleurs, qui ne m'a pas retourné, que je n'ai pas eu d'appel encore, de ce qu'il pense. Là, je me demande c'est quoi vous allez faire avec ce fameux parc-là. J'ai beau chercher, savoir c'est quoi vous avez fait. Vous avez fait un parc, vous avez enterré, vous avez mis du sable, puis point final, pas de système d'écoutement des eaux. On n'a absolument rien là-dessus. Il n'y a aucun plan de vie qui existe. Comme monsieur, tantôt, vous avez peut-être un problème pour construire une maison, que vous exigez des exigences, ça peut finir. Puis que vous avez construit un parc sans aucune exigence. Fait que si je m'en vais en arrière de mon terrain, le terrain de soccer, il se donne à peu près 8 pieds de haut. Mettez-le en mètre, je ne sais pas comment ça fait, je suis trop vieux pour ça. Mais cette eau-là, je peux vous montrer des photos, là. Je suis dans la neige, là, puis il y a de l'eau qui arrive de là. De chaque côté de mon terrain, là, c'est incroyable de voir l'eau arriver de là. Mais c'est quoi vos solutions? C'est quoi vous allez faire? Parce que moi, là, je travaille de prendre d'autres moyens pour arriver à mes moyens. Je parle même de peut-être vous laisser ma maison, me faire exproprier, puis dédommager ma maison complète, puis je m'en aille ailleurs. Je suis rendu là. Là, c'est au mois de juillet, j'ai creusé sur le côté de mon salage encore une fois, pour la deuxième fois, en l'espace de 3 ans. En plein mois de juillet, en plein stress, je n'étais pas capable, je suis obligé d'aller me louer une deuxième pelle plus grosse pour essayer d'évacuer l'eau, pour pouvoir faire le travaux que je voulais faire pour éliminer l'eau qui vient en dessous de mon salage chez nous, puis qu'au printemps, qui m'inonde. Fait que là, je n'attendrai pas une autre année supplémentaire. Je vais avoir des réactions, je vais avoir des réponses à qu'est-ce qui va arriver. Puis je ne suis pas le seul, j'ai mon voisin, monsieur ici, en arrière de moi, qui vit lui aussi la même chose. Puis quand j'ai essayé d'aller avec lui hier, on a marché le terrain, voir les quelques ponceaux que vous avez installés ou les quelques menhomes que vous avez installés pour les trouver bouchés puis bien têtes.
Fait que cette eau-là, en plus, vient se déverser sur nos terrains en arrière. Vous avez passé un parc de BMX pour voir que vous avez enterré des roches puis du roc. Puis en plus, le drainage de ce parc de BMX-là qui vient se verser sur nos terrains encore en arrière de chez moi. Fait que là, je ne sais pas c'est quoi qu'il faut qu'on fasse pour arriver à s'entendre ou à réparer la situation. Mais là, je commence à être vraiment tanné. Puis je pense qu'on devrait avoir une solution après un an de discussion avec vous, puis avec M. Lamontagne, que je ne connais pas, par email. J'aimerais avoir des solutions à ce problème-là. La première, je ne sais pas si ça va être la seule, la première question que j'ai à vous poser, c'est est-ce que vous avez remarqué une différence suivant les travaux qui ont été faits en septembre? Les travaux où? Qu'on a fait justement le long du parc, parce qu'on a créé des nous. Le principe, c'est de travailler à faciliter l'infiltration de l'eau. Vous, sur votre terrain, il n'y a pas eu d'impact, c'est ça, si je veux vous savoir. Vous parlez des problèmes que M. Rochon, un de mes anciens collègues de travail, que son terrain est en train de se glisser. Mais on vous a avez fait des... ça pour ça, à propos de ça. On a fait des travaux en septembre, M. Lapointe. Qui ne me concerne pas. Ça ne vous touche pas, c'est ça, je veux savoir. Ça ne me touche pas du tout. Il n'y a pas eu d'impact? Aucun impact. OK. C'est ça que je veux savoir, pourquoi cette eau-là, d'où qu'elle vient, pourquoi j'en ai une si grande quantité, sans arrêt. C'est-tu possible juste savoir votre adresse, qu'on puisse se situer sur... Le 136. J'ai bâti le 138. Oui. À partir de la rue des Hauts-Bois. Parce qu'en plus que vous avez fait à l'époque, quand la rue était construite, quand ils ont avant de faire l'asphalte, ils ont rajouté des ponceaux pour traverser le fossé de l'autre côté, mais ils l'ont mis inversé. Fait que l'eau ne se traverse pas l'autre bord, elle s'en vient vers chez nous encore. Fait que je ne sais pas. Moi, mon père était contracteur à Québec. La construction, je connais ça. On a bâti des polyvalentes, on a bâti des GHLM, on a bâti toutes sortes d'affaires. Puis avoir un terrain comme qui est là, puis sans aucun égouttement des eaux, là, vous avez fait un fossé, vous avez arrêté à mi-chemin. Pourquoi la parole avoir continué jusqu'au bout? Puis en même temps, je ne sais pas, moi, s'il faut démolir le parc pour mettre du drainage en dessous pour que ça soit efficace, enlever toute la sable qu'il y a là, peut-être que vous n'aurez rien un gazon vert aussi en même temps. Parce que là, comme c'est là, c'est du sable, fait que... C'est sûr, vous n'aurez jamais de gros en verre. C'est une moi, drôle. Moi, j'avais une rétention d'eau naturelle avant. Quand j'ai, chaque maison que j'ai construite dans ces rues-là, là, que ce soit ici ou domaine, dans d'autres domaines, j'ai toujours mis le contracteur. C'est Kouchko. Puis lui, mettre une pointe dans le fossé avec ses pelles, puis mettre un pied au-dessus du fossé. Mais les premières années que j'étais là, j'ai eu aucun problème. J'avais une sonde pompe. Même, j'en avais pas de sonde pompe. J'avais un trou à sonde pompe. J'avais pas de sonde pompe dedans. Là, je suis rendu avec 200 pompes dans la maison. Là, je me suis creusé un trou à l'extérieur pour mettre une sonde pompe à l'extérieur pour m'aider au cas où il y a encore de l'eau qui rentre. Puis là, je suis au bout de mes moyens, je suis au bout de mes affaires que j'ai pu faire pour m'aider moi-même. Mais là, je ne sais pas ce que vous allez faire pour m'aider, c'est vrai. Je pense que tous les membres du conseil peuvent témoigner qu'on veut les régler, les problèmes. On a réglé Mme Huot, on a réglé M. Arsenault, qui est près de chez vous, sur la même rue, là, qui se faisait gruger. On est en mode solution. Malheureusement, on ne peut pas régler tous les problèmes en même temps. Mais plus on s'en débarrasse, moins il en reste. Okay? C'est important de ne pas douter... Dans ce temps-là, moi, j'ai de l'eau qui rentre chez moi, pareil. C'est important de ne pas douter de notre volonté à régler les problèmes. Je pense qu'il y a eu une rencontre avec M. La Santé, je crois, puis M. Côté... Il y a quelque chose qui est prévu pour drainer l'eau vers le secteur de la rue des Hauts-Bois. Mais c'est pas la nouvelle que j'ai eue aujourd'hui? Bien, c'est ça. Moi, c'est une nouvelle que j'ai eue il y a quelques semaines. Là. Fait que ça, moi, j'ai parlé à quelqu'un, à l'ingénieur, il était 2h30. J'en suis là. Je suis pas à jour. Je suis pas à jour sur le dossier. Je peux pas être à jour sur tout.
Il va certainement avoir une rencontre demain là, pour avoir un état de fait puis une prise en charge de solution parce que c'est pas la première fois que je suis sensibilisé à votre dossier. On en a parlé. Je pense qu'on vous avait rencontré avec Mme Lapointe en 2017. Je vous ai rencontré l'année passée dans mon bureau. J'ai parlé souvent à M. Côté qui est derrière vous. Souviens-toi quand vous êtes écoyé à ma porte, que vous voulez devenir maire puis vous sollicitez mon... Puis je vous avais parlé déjà de mon problème. Exact. Puis je m'en rappelle. On veut le régler, votre problème. On va prendre les moyens pour le faire. On va prendre les moyens pour le faire. On prend nos responsabilités, puis on veut assumer les responsabilités que la Ville a causées. Ceci dit, le terrain de soccer, il a été construit en je ne sais pas quelle année, là, mais c'est bien avant que j'arrive. Donc, on récupère des dossiers là, qui nous tombent sur la tête. Comment les personnes peuvent construire un terrain de soccer sans tenir au courant des normes? J'ai la même question que vous, M. Lapointe. Oui, là, c'était boisé, là, ce terrain-là. Là. C'était boisé puis dense. C'est quand il neigeait ou qu'il mouillait, il y avait une rétention d'eau qui était très naturelle, que ça prenait peut-être une semaine avant que l'eau s'en vienne mm-hmm. chez nous. Mais ça, c'est comme ça. On n'est pas indifférent à votre situation. Ceci dit, moi, je suscitais beaucoup d'espoir aux travaux qui ont été faits en septembre passé. C'est des travaux qui nous ont coûté quand même... C'est une bonne somme, puis qui vont servir à régler une partie du problème lié à cet espace-là là, qu'occupe l'école des Hauts-Bois, le centre récréatif communautaire, puis le terrain de soccer. Vous me dites que les travaux qui ont été faits par rapport à la période de septembre dernier n'ont aucun impact chez vous. Ça, nous, on va l'évaluer, puis on va trouver des solutions. Parce que là, juste la dernière pluie qu'on a eue, mm-hmm. je suis allé pour aller mettre ma petite remise en arrière de chez moi, là. La première fois de ma vie, je suis arrivé les deux pieds dans l'eau. Je me suis dit, ça n'a pas de maudit bon sens que l'eau à la vitesse qu'elle arrive. C'est-tu parce que vous avez fait encore des travaux qui m'infligent encore de nouveaux problèmes? Techniquement, c'est encore plus. Oui, peut-être techniquement. Mais c'est sûr. Mais si j'en garde le terrain de soccer, puis si j'en garde la navigation du sol, qu'est-ce que vous avez fait? OK, ça s'en va vers ici. Mais qu'est-ce qui arrive qui s'en va vers l'autre bord, vers chez nous? La section où on n'a pas travaillé. Exactement. Il reste ça, je comprends. Mais ce soir, je ne peux pas vous dire plus. Non, je ne veux pas te demander ce qu'on va faire ce soir. Je m'attends depuis un an qu'on s'est vu, que je n'ai pas eu de nouvelles de toi. Monsieur Lamontagne, que j'ai envoyé le dernier email assez salé. Je ne sais pas s'il a compris, mais peut-être qu'il était trop gêné de me répondre, là. Mm. Mais c'est sûr que j'étais choqué de la manière qu'il m'a envoyé l'affaire. Mais il y a quand même eu, tu sais, j'ai pas donné des nouvelles directement, mais tu sais, on a posé des gestes dans le secteur, j'ai eu des discussions avec M. Côté, il y a eu des contre-maîtres qui sont passés chez M. Côté, on a débouché un ponceau, il y a eu des actions qui ont été posées. Ce que j'entends ce soir, là, c'est que ça n'a rien changé. Absolument rien. Même ça, si je l'ai très, très peut-être bien. Peut-être là, comme je te dis, il a fallu que j'aille chercher mes tenues d'hiver dans ma remise je l'ai en arrière. Très là. Bien entendu, M. Lapointe. Je peux te montrer les photos si tu veux, là. Tu vois que c'est vraiment décevant. Je pense que votre intensité visuelle suffit. Non, mais je ne veux pas impressionner personne. Je veux pas. Non, mais qu'on m'écoute, qu'on me comprenne. Exact. J'ai pas besoin et de quoi. À chaque fois qu'il m'arrive de quoi, c'est moi qui paye de ma poche. Là. J'ai rendu que je vais louer mes excavatrices moi-même pour faire la job pour qu'elle soit bien faite. Parce que j'ai plus confiance en personne. Mm. Parce que on sait comme on sait, il y a des entrepreneurs qui sont là pour faire de l'argent vite fait. Puis il y en a d'autres bien, qui font son tentationné, mais moi, j'ai plus confiance en personne. Comme je te dis, j'ai été élevé dans la construction. Mm. Puis des pelles mécaniques, apporte-moi-en. Puis là, ma prochaine étape, je me disais, peut-être que je vais me louer une pelle assez grosse que je vais aller jusqu'en dans le milieu du terrain de soccer pour faire le drainage moi-même. Parce que si je ne veux pas de mouvement de vous autres, c'est sûr que je demande de rembourser ma maison puis que je sac mon camp de site ou je vais aller me louer une pelle assez grosse que je vous jure, je vais en faire un trou jusqu'à dans le centre du terrain de soccer. Puis il n'y aura pas grand-chose à m'arrêter, je te jure. Mais ce serait irresponsable de ma part de ne pas vous, dire de faire attention. Je vais faire le drainage, je vais te dire. Il faut faire attention quand même. Ça. Je comprends, là. Je comprends, là. Je veux juste te dire mon état d'âme, comment est-ce que je suis rendu. Je comprends. Je ne vivrai pas ce que M. Côté a vécu pendant toutes ces années-là. Pas vrai. Je ne me rendrai pas là. Je pense que vous avez... C'est tout, qu'est-ce que j'avais dit. Je pense que le message est bien rendu. Je vous remercie de vous être présenté. J'attends de vos nouvelles. J'espère que ça ne prendra pas une heure. Non. Merci. Puis, encore une fois,
T'sais, oui, on ne s'est pas parlé depuis un an, mais je ne peux pas dire qu'il n'y a rien qui a été fait dans votre secteur d'ici un an. Malheureusement, ça n'a rien changé. Exactement. Ça, je l'entends même très bien. Je peux te le dire, ça n'a pas amélioré les affaires. Je me demande si ça n'a pas empiré mes affaires. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir, je me suis côté sur la rue Félan. Quand on s'est rencontrés en novembre 2018, on avait mis juste quelques points en perspective qui pourraient peut-être améliorer les choses, mais je ne les vois pas. OK. OK. Sur l'autre conseil de ville, j'avais demandé à ce qu'on enlève le drain que vous aviez pris pour les eaux de surface qui s'en va sur la pointe de mon terrain. On est un an plus tard, c'est encore là. Faites pas comme l'autre conseil. L'autre conseil, ils m'ont dit, bien, prends une pelle puis garde le drain pour toi. C'est parce que c'est pas mon terrain, c'est pas mes gogosses à moi, là. On peut-tu l'enlever? Ça ouais. Rapproche juste l'eau plus de ma maison, ça, là. Ce qui avait été entendu à l'époque, c'est qu'on l'amène jusqu'à la rue, ce drain-là. C'est pour ça qu'on a fait. Moi, je veux savoir qu'est-ce qu'on vous a dit aujourd'hui. Que... Il ne faisait plus rien parce que dans un mail, parce que là, je pense qu'ils ont l'air de penser que les voisins ne se parlent pas, là. Dans un mail qu'il a envoyé à Mario, pour votre voisin, il y avait deux drains pour sa maison. Il y en avait un qui était bloqué par des racines de 2-3 pieds de long. Quand notre contremaître a dégagé la racine de l'eau corrompue, elle a coulé de son drain. Par la suite, l'eau était claire. Depuis ce moment, nous n'avons pas eu de nouvelles de sa part. On débouche un drain pour régler le problème. Ça fait 10 ans que ça dure. Là. Il n'est pas là, le problème. Ça l'a réglé une portion. Mais on peut-tu faire des interventions une fois pour toutes pour régler tout le problème? On est dépassé, on est tanné. Ça n'a plus de sens, là. T'sais, écoutez, là, une racine, c'est cette grosseur-là. Ça, c'est le drain. Mais okay. Il y avait beaucoup. Moi, ce qu'on m'a dit, c'est que ça générait beaucoup d'obstacles dans le ponceau, puis que okay. Le ponceau était bouché. Qu'est-ce qui bouchait? Est-ce que c'était ça, ou c'était le 1 pied et demi de terre que la ville a eu comme solution de génial pour aller rejoindre le fameux drain qui traverse la rue, qui est pas sur le bon bord, de le niveler en enterrant mes deux drains dans 1 pied et demi d'eau? Mais là, l'intervention qui était faite, la terre, elle était enlevée. Oui, mais je suis pas encore au niveau ça, que j'étais. Ça, j'ai bien compris. On va avoir une rencontre. On va regarder ce qui peut être fait globalement. Écoutez, on ne peut plus tenir comme ça. Là. Vous n'allez pas me convaincre, M. Côté. Je suis au courant des dégâts. Minimalement 50 000 $ par année pour vivre à Saint-Colomban. Puis il faut que j'assume des taxes en plus. On va pas bien, là. Comme monsieur disait, qui fait l'entretien de ce parc-là? Qui fait le tour pour les drains? Personne? C'est la ville. C'est la responsabilité de la ville. Bien, il y a un drain qui est complètement bouché, qui a la gravelle jusqu'au top. Je l'ai pris bien en note. Puis les trois autres drains sur notre côté, on ne les voit pas. Je l'ai pris bien en note. Ça n'a comme pas de bon sens, là. Ben, je vous demande de régler la solution le plus vite possible, parce que nous, on n'en peut plus. Bien entendu, M. Côté. Merci beaucoup. J'aurais une question pour vous, si vous êtes capable de me donner 2 petites secondes. Est-ce qu'il y a une intervention qu'on peut faire rapidement, que vous savez, qui pourrait faire une différence dans votre prochaine semaine? Minimalement, le poteau que l'autre conseil avait eu comme idée de mettre ça là pour aider une partie du problème. Un poteau ou un ponceau? Non, c'est vraiment un tuyau de 8 pouces de diamètre sur 75 pieds de long qui pogne de l'eau en surface, en plus de celle que je ramasse en dessous. Je ramasse l'eau de surface parce que les drains sont complètement bouchés, là. Qui s'en va jusque sur la pointe de mon terrain arrière. Okay. Toutes mes infrastructures calent. Merci. Est-ce que l'autre question, ça nous amènerait, on prendrait peut-être une petite pause, on se permet-tu une pause? De 5 minutes, parce qu'on suit avec la présentation du programme triennal de mobilisation. Oui, ça. Ben, on peut les prendre après, on peut les prendre dans le cadre du PTI aussi, là, moi j'ai pas d'objection. Donc, ça prend quelqu'un qui proposerait la clôture? Isabelle Lapointe, je le propose. Oh, pardon. Isabelle Lapointe, je le propose. Un beau séjour, je te merci.
Donc, une petite pause de 5 minutes. On va revenir ensuite pour la présentation et adoption du programme triennal d'immobilisation.
Il est 9h05. Ah oui. Donc, il est 21h03. Donc, s'il n'y a pas trop de borborygme, nous allons clore cette séance rapidement. Je vais tout de même prendre le temps de bien expliquer le PTI pour le bénéfice des investissements que l'on va faire ou que l'on propose dans le cadre des 3 prochaines années. Et si borborygme, vous entendez, nous allons cibler Réal et lui dire de quitter la salle puisqu'il me déconcentrera. 1.2, adoption de l'ordre du jour. Donc, nous sommes en séance extraordinaire dans le but de faire adopter le programme triennal d'immobilisation. Tout le monde a pris connaissance de l'ordre du jour. Il manque toutefois Mme Mercier. D'accord. On va l'attendre. Nous a quitté, oui. De... Donc, oh. Donc, nous sommes complets. Donc, quelqu'un pour proposer l'adoption de l'ordre du jour, s'il vous plaît. Isabelle Lapointe, je le propose. Merci. Et en appui. Chris Alwinson, je l'appuie. Merci. Vous avez tous constaté l'avis de convocation. Oui. Merci beaucoup. Période d'intervention réservée aux élus. Est-ce que vous voulez intervenir avant la présentation du programme triennal d'immobilisation, chers collègues? Non. merci beaucoup. 2.1.4, donc programme triennal d'immobilisation 2022. J'ai manqué? Ah oui, période d'intervention du public relativement au sujet de l'ordre du jour. Est-ce que le public, vous désirez vous manifester? Pas encore. Donc, considérant que le conseil municipal doit au plus tard le 31 décembre de chaque année adopter le programme des immobilisations de la ville pour les 3 exercices financiers subséquents, il sera proposé après présentation d'adopter le programme triennal d'immobilisation 2020-2021-2022. C'est un tableau qui vous indique finalement notre projet afin de réaliser des immobilisations principalement pour l'année 2020. Mais ça vous permet de vous donner une indication où l'on se dirige aussi pour l'année 2021. Pour 2022, il y a quelques éléments, mais je ne crois pas trop à la multiplication, même si la loi nous oblige, d'immobilisation dans le cadre d'une année qui suivrait une élection. Donc, on s'est vraiment concentré 2020-2021. 2022, ça appartiendra aux membres du nouveau conseil suivant l'élection de se manifester. Donc, pour 2020, il y a, je vais vous faire la nomenclature avec des explications que je crois courtes, mais des fois, je peux étirer la sauce au détriment de mes collègues et des gens qui nous écoutent. Donc, si vous trouvez ça long, vous me donnez un coup de coude, maître ou Madame Mercier. Donc, au niveau de l'administration, il y a 2 points. Il y a le réaménagement des bureaux. On a fait mention au cours des dernières séances d'un réaménagement de l'hôtel de ville. On manque de bureaux, donc puis on a des changements aussi, je dirais, en termes de fonctionnement, d'amélioration d'efficacité, puis de localisation de bureaux en fonction de leurs tâches qui sont à venir. Notamment un réaménagement de l'accueil. On veut centraliser l'accueil. Présentement, il y a un accueil pour l'urbanisme et un accueil pour l'entrée à l'hôtel de ville. Donc, on veut faire un seul accueil. Et on veut vous donner aussi une salle d'attente plus agréable et introductive. Il y a aussi, on ajoute, est-ce que vous vous rappelez le nombre de bureaux que l'on ajoute ou le nombre de chaises? Le nombre d'espaces de travail créés est ajouté de 5 espaces. 5 bureaux. 5 espaces et non pas 5 bureaux.
5 espaces parce qu'on prévoit aussi une jonction de bureaux à l'intérieur d'un même espace. Exactement, il y a des bureaux qui vont être en aire commune. Donc, ensuite, il y a la signalétique. Donc, cette année, en 2019, nous avons prévu la réfection du logo. Ce projet achève et chemine. Ensuite, la signalétique, c'est un budget de 25 000 $ qui est proposé pour commencer la mise en place et le changement des signalétiques. Ce n'est pas seulement l'introduction du nouveau logo, mais plutôt une réaffectation ou on va moduler, pardon, autrement la façon d'afficher nos lieux. Par exemple, les parcs, on a une signalétique qui est assez déficiente sur le territoire. Donc, on veut y travailler. On va commencer en 2020 là-dessus. C'est un montant de 25 000 $. Si, pour ceux qui n'ont jamais consulté un tableau de programme triennal d'immobilisation, vous avez les suggestions de projet. Et dans la deuxième partie du tableau, il y a une répartition en fonction du financement. Donc, on a plusieurs façons de financer des projets. Pour les deux premiers, là, c'est pigé dans le fonds de roulement. Donc, un fonds de roulement, c'est une espèce de fonds qui est créé à l'intérieur de la ville. Donc, on utilise souvent l'expression « c'est notre propre banque ». Donc, on a un fonds et on pige dedans. Donc, les 325 000, c'est un fonds de roulement qui est déjà accumulé. Je ne me trompe pas. Où on y affecte des sommes en début d'année financière. Puis, on se rembourse à même nos revenus. Donc, ça nous amène ensuite au service de sécurité incendie. Il y a le sempiternel achat d'habits de combat qui revient à chaque année. Donc, je crois que c'est 5 habits de combat à chaque année que l'on achète. On fait aussi l'achat d'une laveuse pour habits de combat au montant de 11 500 $. Nous avons des obligations en fonction de la CNESST. Et la laveuse n'est pas un luxe pour nous permettre de décontaminer correctement les habits de combat. Nous avions une laveuse résidentielle qui est arrivée au bout de sa vie utile et nous allons la remercier gentiment quand on la remplacera. Elle a été très, très serviable pour la ville de Saint-Colomban. Remorque de formation et de maintien de compétences. Donc, c'est une remorque qui sert à la formation du service d'incendie. C'est dans le cadre d'une subvention, je crois, ou d'un partenariat. Partenariat en différentes villes. Donc, si partenariat se signe, la remorque de formation et de maintien des compétences suivra. Comme il a été mentionné plus tôt, c'est un remplacement de véhicules 1011 et 1042, donc les deux unités d'incendie, donc 1 300 000 $. Donc, c'est le premier projet d'immobilisation qui est financé par un règlement d'emprunt. Donc, comme je l'ai déjà expliqué dans le passé, les règlements d'emprunt qui affectent des véhicules sont répartis en fonction des années d'usage du véhicule pour ne pas avoir à payer pendant 15 ans mais un véhicule que nous n'avons plus. Pour le reste des autres, pour le reste des autres engagements au niveau des incendies, il y a les habits de combat et la laveuse qui font partie des activités de fonctionnement, donc qui est pris à même le budget du service d'incendie. Et il y a le 16 000 $ de la remorque qui est pigé à même le fonds de roulement. Donc, il n'y a pas d'endettement direct suivant ça. Il y a le remplacement aussi de cylindres Apria. Donc, 17 200 $ les cylindres. On avait des cylindres donc, d'approvisionnement en oxygène, je crois, que nous avions acquis, qui étaient usagés, que nous avions achetés, je crois, de la ville de Gatineau, si ma mémoire est bonne. Et ça, c'est aussi pigé dans les activités de fonctionnement. La durée de vie de ces bonbonnes-là, leur qualité était en décroissance, donc il y avait une autonomie qui diminuait. Donc là, on propose de remplacer. En fait, c'est pratiquement une obligation de remplacer ces bonbonnes-là. Là, je regarde mon collègue, M. Urbain, qui est aux incendies. On fait l'achat de nouvelles bonbonnes. Ce n'est pas un luxe. Maintenant, au niveau des travaux publics, c'est souvent on propose 11 130 000 $ d'investissement pour la prochaine année en termes d'immobilisation et d'infrastructure. Ça commence avec le barrage du lac Lheureux. Déjà depuis, je dirais, M. Panton, un an peut-être, 18 mois, on a entamé des démarches avec des firmes d'ingénieurs parce qu'on a reçu quand même des avis de la direction des barrages. Qui font état d'un statut précaire au niveau de la qualité du barrage. Donc, on a l'obligation de faire des modifications ou de faire des travaux sur le barrage. Donc, toutes les rencontres sont faites avec l'association de lac. On a rencontré des citoyens.
du lac Lheureux. On a eu des rencontres de travail avec les ingénieurs. Donc, on est vraiment rendu à la phase, comme il y avait une résolution ce soir, là, on est à la phase maintenant réalisation des travaux puis mise en place vraiment du processus là, pour arriver à faire les travaux. Donc, c'est le même processus de financement qu'un règlement d'asphaltage. Donc, c'est la moitié à l'ensemble et l'autre moitié à une taxe par bassin de taxation, donc à un territoire ciblé, donc à 50-50. C'est la mesure proposée pour financer le barrage du lac Lheureux dans le programme triennal de mobilisation. Ensuite, remorque pour les équipements de pavage, 25 000 $. Donc ça, je crois que c'est dans le activité de fond, c'est dans le fonds de roulement, oui. Donc, c'est pour améliorer notre efficacité lors d'interventions pour de courtes actions de pavage ou même de la réalisation de nids de poules. Je pense que c'est plus des nids de poules que du court pavage. Le plus gros investissement, le nouveau garage municipal. Ça fait déjà plusieurs années qu'on en parle. Donc, on propose 7 500 000 $ règlement d'emprunt à l'ensemble. Avec la croissance de la ville, ce n'est pas un luxe de penser à un garage municipal qui est mieux adapté à la délivrance de nos services. Ensuite, prolongement de la côte Saint-Patrick. Donc, ça aussi, c'est pas la première fois que vous entendez parler de ce projet. Donc, on mise beaucoup sur 2020-2021 pour réaliser finalement les travaux nécessaires à la jonction Saint-Nicolas-Saint-Patrick. Prolongement de la rue de l'Accueil. Donc, ça, c'est une nouveauté. Donc, on propose de réaliser les plans de vie afin de faire les jonctions, certaines jonctions finalement qui nous permettraient de lier les différents segments de la rue de l'Accueil. Réfection de diverses rues 2020. Donc, comme à l'habitude, nous planifions un emprunt quand même substantiel de 1 300 000 $ cette année, tout ça en règlement d'emprunt à l'ensemble afin de réparer ou d'intervenir sur différentes rues du territoire de Saint-Colomban. Différents remplacements de véhicules, 535 000. Je n'ai pas la liste par cœur. Est-ce que vous... que vous l'avez par cœur? De quel véhicule on parle? J'arrive. Ouais, je suis là. Donc, ouais, tracteur John Deere. Donc, on remplace le tracteur 2011. Il y a une possibilité de vente aussi, mais c'est un 145 000 qui est planifié. On a une faucheuse, plus fonctionnelle, 18 000 $, unité 327. Donc, c'est la niveleuse champion 1995 par une niveleuse usagée plus récente. Donc, on budgète 350 000 pour l'achat de ce véhicule-là. Puis, l'acquisition d'un chasse-neige avec angulation hydraulique pour installation sur Pépine à 22 000 $. Donc, il y a les grosses dépenses. C'est la niveleuse et l'unité 329, tracteur John Deere, qui nous permet de faire des interventions durant toutes les saisons. Si je me ramène en haut dans mon tableau. Donc, pour vous expliquer, en attendant le fonctionnement du programme triennal d'immobilisation, donc on vous c'est une orientation. Ce qui est voté ce soir, ça ne veut pas dire que c'est réalisé en résolution, mais il faut absolument que ce soit en programme triennal d'immobilisation, ou presque, pour réaliser les projets durant l'année qui suit l'adoption du PTI. Nous sommes acquisition d'un compteur d'achalandage routier, donc c'est pour nous permettre d'avoir un autre outil afin de mieux intervenir au niveau de la sécurité routière. Ça, c'est une chose qui est essentielle. Ça va être financé dans l'activité de fonctionnement. Donc, quand même le budget annuel des travaux publics. Et on a aussi la conversion du système d'éclairage public au DEL, 480 000 $. Donc, on vous avait fait la présentation précédemment lors d'une assemblée du conseil. À 480 000 $, c'est une conversion donc d'éclairage public et ça nous permet de faire des sauvegardes importantes en énergie, donc en électricité. Puis ça permet de ventiler cette dépense-là sur une période de 7 ans. Ce qu'on a décidé de faire, on a décidé de le financer dans le fonds du réseau routier. Donc, c'est déjà une somme qui est accumulée depuis des années dans le fonds du réseau routier pour lequel vous n'êtes plus taxé depuis aussi de nombreuses années. Donc, en nous permettant de financer la transition d'éclairage d'aile.
de financer l'éclairage d'aile grâce au fonds du réseau routier. Donc, ça nous permet de payer comptant cette transition-là, ce qui nous permet de sauver des coûts d'intérêt. Donc, pour nous, d'appliquer le fonds du réseau routier à cette dépense-là, qui a un niveau de rentabilité sur 7 ans, ça nous permet encore plus d'accélérer la rentabilité. Fait que ça nous apparaissait totalement naturel d'y appliquer le fonds du réseau routier et on a très hâte de voir la conversion s'appliquer. Ça nous permet aussi de faire l'acquisition d'un logiciel qui va nous permettre de diminuer la consommation d'énergie en fonction des heures puis d'avoir vraiment un contrôle sur la qualité d'éclairage sur le territoire selon les périodes de la journée. Ça nous amène aussi en urbanisme, hygiène du milieu. Donc, voici la somme du 11 130 000 OTP, aux travaux publics. Ça nous amène en urbanisme et hygiène du milieu. Donc, on planifie 100 000 $ à la recherche d'un nouveau puits à l'aqueduc La Rochelle. Pour ceux qui suivent, on a fait l'acquisition d'un terrain sur la rue des Pignons au cours des derniers mois. Donc, on présume qu'il y a une présence d'eau importante parce que c'est très près de la rivière du Nord. Donc, on a 100 000 $ pour aller faire les analyses afin de trouver un nouvel approvisionnement à l'aqueduc La Rochelle, ce qui est une priorité d'intervention tant qu'à moi. Puis ça va être financé par des subventions, si je ne me trompe pas. Oui, une subvention applicable en fonction du... Est-ce que c'est le TACQ? C'est TACQ? Prévu, oui. Donc, la taxe sur l'essence. Nous planifions aussi l'achat d'une voiture électrique 2020 pour un montant estimé de 52 000 $. Je pense que ça va être moins que ça, là. C'est en prévision de ramener le service inspecteur à qualité de vie, notamment le service qui va s'occuper de la délivrance des médailles à l'interne à la ville de Saint-Colomban, mais ça s'accompagne d'un achat de véhicule. Donc, ça nous permet d'améliorer la flotte disponible et de continuer la transition vers l'achat de voitures électriques. Ensuite, bibliothèque, on planifie le nouvel espace d'accueil. Donc, c'est le nouveau comptoir, le nouvel accueil au niveau de la bibliothèque. C'est un vieux comptoir qu'on traîne depuis longtemps, je crois. Et 25 000 $ y est associé pour les rénovations au niveau de l'accueil. Oui, ça va s'appliquer, merci beaucoup, Mme Parent, dans le cadre des objectifs à répondre au niveau de la politique inclusive, mobilité réduite, accessibilité aux enfants handicapés, exactement, parce qu'on veut changer aussi la façon dont les services sont offerts afin d'offrir une accessibilité aux enfants qui ne mesurent pas plus que 3 citrouilles. Ça, c'est financé par le fonds de roulement aussi. Il n'y a pas d'endettement direct lié à cette modification. Il y a aussi l'espace lecture au parc La Rochelle qui, pour nous, est intéressant. C'est payé à même le fonds de parc et terrain de jeu. Donc, c'est un fonds cumulé qui est issu d'un règlement qui va chercher 10% en argent ou en terrain. Au niveau des projets résidentiels, des nouveaux projets résidentiels ou des nouveaux lotissements qui arrivent en cours d'année. Donc, on y affecte 10 000 $ pour réaliser un espace lecture au parc La Rochelle. Ça va permettre de diversifier les activités offertes au parc La Rochelle. Je vous amène maintenant au loisir. Acquisition d'un module de jeu au parc Félan au montant de 25 000 $ Donc, on vient, je crois que c'est 2 nouveaux modules qui vont remplacer 2 anciens. C'est un module qui remplace un ancien. Donc, lors de la séance, je faisais référence au fait que les modules en plastique sont très, très dispendieux. Mais là, vous avez l'exemple, un module, 25 000 $ Hébertisme, 20 stations, 60 000 $ taxes excluses. Aménagement du parc, la Crainfraie. Donc, vous voyez, on a un 100 000 $ 2020. On a déjà commandé, dans le fond, la résolution qu'on a votée aujourd'hui, c'est dans le même ordre d'idée. Ce n'est pas un 100 000 supplémentaire, mais le 100 000 va inclure tous les travaux réalisés sur le terrain. C'est aussi puisé à même le fonds de parc et terrain de jeu. On a une construction d'une terrasse mobile dans le cadre de l'amélioration, je dirais, de l'espace en face du centre récréatif et communautaire afin de dynamiser encore plus les activités au centre de la ville, 5 à 7, marché public, fête nationale. Donc, on veut se doter vraiment d'un espace agréable où passer une journée, une soirée. Ça va aussi permettre aux gens des camps de jour de profiter d'un espace agréable pour pouvoir casser la croûte si le cœur leur en dit.
Piste cyclable, interconnexion avec Saint-Jérôme, donc un 25 000 $ toujours pour aller joindre la rue du Golfe, qui est dans votre district, Madame Mercier. Nous avons aussi accéléré ou demandé d'accélérer des démarches avec Hydro-Québec afin de rendre ou de permettre la réalisation d'une piste cyclable. Module de jeu Parc Péridot. D'accord. C'est épuisé à même le fond de parc et terrain de jeu. Terrain de baseball, donc on propose un terrain de baseball, mais seulement en 2022. Dans la prévision, si ça arrive plutôt dans le cadre d'une subvention, nous serions bien heureux. C'est à nous d'y travailler. Roulotte usagée, Maison des jeunes, afin de permettre à la Maison des jeunes d'être mobile. Actuellement, elle est située dans une maison fixe. Donc, étant donné que le territoire et le développement de Saint-Colomban s'est fait de manière étendue, on veut doter la Maison des jeunes d'un outil mobile pour essayer de générer des activités un peu partout dans les quartiers de Saint-Colomban. C'est dans une perspective justement de diversifier les tentacules d'action de nos différents services puis d'aller voir les gens où ils habitent. Et enfin, acquisition d'abris solaires Albert Raymond, 2021, 12 000 $ C'est un peu la copie de ce qui a été réalisé, si je ne m'abuse, au parc Alizé. Il y a beaucoup de demandes de création d'ombrage dans ce parc, donc il est prévu en 2021. Ça fait le tour du PTI, chers collègues. Donc, si jamais il y a des questions, nous sommes toujours disponibles à répondre en détail à ces questions-là. Oui, oui, je n'ai pas oublié l'adoption, maître. Vous faites bien de me garder, de me tenir les guides serrés. Oui, il y a un problème de questions, mais il faut d'abord l'adopter. Donc, qui propose ces investissements de 13 191 870 $ pour l'année 2020? Suggestion. Mme Wilson, je propose. Merci, Mme Wilson. Danielle Dorège, la seconde. Merci, Mme Dorège. Donc, le PTI est adopté. Ça nous amène aux questions du public exclusives au programme triennal d'immobilisation 2020-2021-2022. M. Presseau, voulez-vous poser une question sur ce programme? Non? Donc. Donc, ça nous amène à la clôture de la séance extraordinaire pour l'adoption du programme triennal de mobilisation. Ça prend quelques minutes. Je propose la clôture de la séance. Isabelle Lapointe. Merci. Et en appui. Sandra Mercier, je l'appuie. Merci beaucoup, messieurs, dames. Je vous souhaite une belle fin de soirée. Nous nous revoyons pour décembre, qui sera mois d'adoption budgétaire. Je vous souhaite une bonne rémission à cette tempête.